Radio de proximité du pays d'Arles. Il est 19h. Les dimanches 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales 2020. Les Arlésiens devront faire un choix parmi les 10 candidats en compétition. Tous ont accepté de venir au micro de Radio RPA pour présenter leurs projets et répondre aux questions que les Arlésiens se posent. Présenté par Baptiste Guéry, accompagné de Stéphane Del Corso et Ludovic Gazan, l'émission Élections municipales Arles 2020, c'est maintenant en direct sur RPA, la radio du pays d'Arles. Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette 10e et dernière émission des élections municipales Arles 2020. Merci de nous suivre encore une fois très nombreux sur le Facebook Live que vous pouvez partager, que vous pouvez commenter, que vous pouvez ou vous pouvez réagir tout au long de l'émission. C'est donc terminé, c'est donc la dernière et on vous remercie encore une fois d'avoir participé pendant déjà 9 émissions et nous en sommes à la 10e. Je retrouve ce soir encore mes compagnons de route et mes camarades de jeu pour présenter cette émission. Stéphane Del Corso, le pape incontesté de Radio RPA. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ça fait très pape, ça tu m'as fait dit très le pape. C'est vrai, c'est vrai. J'ai cherché bonsoir quelque à chose tous. Ouais, le pape, c'est pas mal. C'est pas mal. Tout va bien? On est prêt pour cette dernière? On est prêt, le Facebook Live monte bien, la technique est au top. Comme à chaque émission, et nous avons l'équipe au top. Et nous avons l'équipe au complet, car avec moi encore ce soir, j'ai la chance d'avoir Ludovic Gazan. Bonjour. Et, ah pardon, oui, non, simple, net, efficace et parfois un peu coquin, qui sera en charge de retranscrire vos réactions et vos questions tout au long de ce live Facebook. Ludovic, comment ça va? Ça va très bien Baptiste, je suis coquin. Des fois, ça cocasse peut arriver. Aussi. Cocasse aussi, mais très jolie chemise en jean aujourd'hui. Oui. Un beau panel de vestimentaire tout au long de ces 10 émissions. Pour la DER, de DER. Voilà. Très bien. Alors, pour poser vos questions, vous pouvez le faire en bas de ce live Facebook tout au long de l'émission. Ludovic se chargera de les poser à la fin. Vous pouvez également les poser en MP pour qu'elles soient posées de façon un petit peu plus anonyme. L'émission se déroule en 3 parties, vous le savez. La première partie, ce sont les questions les plus récurrentes et les plus intéressantes qui sont sorties sur le site www.radio-rpa.fr. Donc, vos questions. La deuxième partie, ce sont 15 thèmes, monsieur. Le candidat en tirera 5 au sort. Il aura 5 minutes pour les développer un peu plus que les 10 autres que nous aborderons sur des questions-réponses un peu rapides. Et enfin, la dernière partie, Ludovic posera vos questions que vous aurez posées pendant le live. Enfin, chaque partie sera entrecoupée d'un morceau de musique choisi par le candidat. Et donc ce soir, pour cette 10e émission, nous avons la chance de recevoir le candidat des Avenirs à partager, monsieur David Grisble. David, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation et ce moment de partage avec nous pendant une heure et demie sur Radio RPA. Merci à vous surtout pour la démarche. Je crois que c'est une démarche remarquable. Vous faites vivre le débat démocratique et dans l'instant que nous vivons, à l'approche des élections municipales, c'est très précieux. Donc vraiment, très sincèrement, merci à toute l'équipe de la Radio RPA. Eh bien, merci beaucoup. On essaye. En tout cas, ça a marché une heure et demie ensemble où nous allons parler de votre programme et de vos intentions d'être maire d'Arles. Donc, David Grisbe, vous avez 48 ans. Vous êtes natif d'Arles. Vous êtes né à l'Espace Van Gogh, d'ailleurs, je crois, exactement, si je ne dis pas de bêtises. À l'Hôtel Dieu à l'époque, effectivement. Vous avez habité pendant 25 ans à Saint-Lin-de-Giraud. Maintenant, vous habitez à Arles. Oui. C'est ça. Vous êtes conseiller municipal sortant. Vous êtes ingénieur de la fonction publique territoriale. Vous occupez actuellement le poste de chargé de mission au sein du service environnement et biodiversité de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout à fait. C'est bien ça. Je ne me suis pas trompé. Vous êtes également premier vice-président de la communauté d'agglomération ACCM, président de la société d'économie mixte du Pays d'Arles, la SAMPA, et président de la société publique locale du Pays d'Arles, également la SPLPA. Exactement. Qui est... Alors c'est un outil dont on va parler, puisque c'est un outil qui permet de développer des stratégies d'aménagement. D'accord. Et c'est un outil qui est méconnu, mais fort utile. D'accord, parce qu'effectivement, on le connaît peu, et je sais que le grand public connaissait tout, et même moi-même, je ne savais pas que ça existait, je l'avoue. David Grisbe. Donc, beaucoup de cordes à votre arc. Donc, vous êtes en politique depuis de nombreuses années. Vous étiez un élu PS au début de ce troisième mandat. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pouvez-vous nous situer votre position aujourd'hui, à quelques semaines du premier tour?
Ben effectivement, j'ai souhaité être libre de mes engagements et je me suis débarrassé il y a déjà pas mal de temps, plusieurs années, de cette appartenance politique pour des raisons qui m'appartiennent. Je ne me retrouvais plus dans cette formation politique telle qu'elle évoluait, à la fois au niveau national mais aussi au niveau local. Et donc j'ai repris ma liberté et je crois qu'il n'y a rien de plus précieux qu'en politique que d'être libre. Alors à l'heure actuelle, vous avez une liste qui est apolitique, comme on appelle ? Apolitique, non, parce que nous allons faire de la politique, hein, ouais. S'engager, donc nous ne sommes pas apolitiques, mais on dit plus communément sans étiquette. D'accord, sans étiquette. Alors on va commencer très vite par une première question qui brûlait les lèvres de beaucoup d'Arlésiens sur le site. Pourquoi ne pas avoir fait union d'alliance avec d'autres candidats dits de gauche ? D'abord parce que je porte un projet, je suis engagé, vous l'avez dit, depuis longtemps, j'ai eu le temps de construire ma réflexion, je suis élu municipal depuis 1995, on y reviendra sans doute, et donc j'ai de l'expérience, et je crois que c'est très précieux aujourd'hui de pouvoir bénéficier de cette expérience et de porter son propre projet, et donc je l'ai dit au début de mon propos, je souhaite être libre de cet engagement, et donc être pas assujetti à quelconque, parce que dans les partis politiques, il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous, à moins d'être président de la République, ce qui n'est pas le mandat que je cherche à avoir aujourd'hui. Encore, et donc, il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire « Ah ben non, c'est pas comme ça qu'on va faire ». Et donc, c'est vraiment le problème, d'ailleurs, de l'action politique, c'est d'avoir toujours une tutelle qui vous explique que même si ce n'est pas vos convictions, même si ce n'est pas vos choix, c'est ce qu'il faut faire dans l'intérêt du parti, comme on dit. Et donc, ça, j'ai voulu m'en débarrasser. J'ai souhaité réunir autour de moi simplement des gens qui ont comme seule ambition de servir la ville d'Arles, servir ce territoire qui est magnifique. Et au-delà de la ville d'Arles, d'ailleurs, le pays d'Arles, parce que c'est un vrai sujet également. Le devenir du pays d'Arles. Et donc, nous nous sommes rassemblés. Vous savez que je me suis engagé il y a longtemps, puisque j'ai annoncé ma candidature en février 2018, ce qui m'a permis et nous a permis d'aller à la rencontre de tous nos concitoyennes et nos concitoyens et de pouvoir échanger avec eux, de construire un projet qui réponde véritablement à leurs attentes et à leurs besoins. C'est une démarche que peu ont eue, puisqu'ils n'ont pas pris ce temps-là. Et je pense que c'est un temps indispensable. Et donc, comme j'avais annoncé dès février 2018 ma candidature, ce souhait de porter un projet qui soit utile aux Arlésiennes et aux Arlésiens, eh bien, ensuite, bien évidemment, il fallait soit venir me rejoindre, ce que d'autres n'ont pas souhaité. D'accord. Vous avez proposé à certaines... J'ai rencontré plusieurs des candidats, effectivement, D'accord. actuels, mais chacun est légitime. Moi, je n'ai pas de souci de légitimité, puisque moi, j'ai l'ambition de porter un projet. Il est bien légitime que d'autres aient la même ambition que moi. Hein. Comment ne pas autoriser à d'autres ce que soi-même on souhaite avoir. Mais voilà, il fallait venir... autour d'un projet sur lequel nous le verrons. Hein. J'ai quelques points de vue et de points de divergence avec celles et ceux qui se présentent aujourd'hui. Et donc, les personnes que j'ai rencontrées ont souhaité porter leur propre projet. Et donc, c'est tout à fait légitime. Mais moi, j'ai aujourd'hui une équipe, un projet et un projet qui est le fruit, je le répète, d'une longue échange avec nos concitoyens, une véritable concertation, d'avoir pris le temps d'aller rencontrer il y a bien longtemps déjà tous nos concitoyens, qu'ils soient habitants des villages, habitants des quartiers. Et puis, ils nous ont dit beaucoup de choses à ces moments-là. Et donc, ensuite, nous avons construit un projet pour, encore une fois, répondre à leurs attentes et à leurs besoins, que ce soit dans les domaines de la propreté, que ce soit dans les domaines de la sécurité, que ce soit dans les domaines du développement économique, bon bref, dans tous ceux qui préoccupent un territoire et une ville. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet un petit peu plus, vous aviez déjà eu cette ambition de devenir maire d'Arles par le passé ? Ah ben, si j'avais eu cette ambition, j'aurais été candidat. D'accord. C'est pas le cas. Je crois qu'aujourd'hui, je suis comme un bon whisky, j'arrive à maturation. C'est le moment eh bien, de déguster, si j'ose dire, pour reprendre cet analogisme. Mais plus sérieusement, je crois que j'ai toujours été intéressé par la vie publique. J'ai beaucoup appris. J'étais collaborateur d'élus et non des moindres, notamment du député Michel Vauzel et président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai appris beaucoup à ses côtés. Je ne suis pas du tout son héritier. Hein. Ce n'est pas du tout le propos que je tiens. Mais être à côté d'un élu de cette envergure-là, ancien ministre, porte-parole de la présidence de la République, ça vous forme. Ça vous permet de construire votre expérience. D'avoir ensuite la légitimité, puisque vous le verrez, mais je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, tout le monde veut enfoncer des clous. Hein, c'est ça, une campagne électorale. Mais le plus important, c'est de savoir quel outil vous utilisez pour enfoncer le clou. Est-ce que vous prenez une masse, un marteau ? Est-ce que vous utilisez la paume de la main ? Et donc, je crois que c'est la grande différence avec les autres candidats, c'est que non seulement j'ai un projet,
mais je sais justement manier les outils qui permettent d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. D'où la société publique locale du Pays d'Arles, qui est certes méconnue, mais qui est un outil indispensable pour porter des stratégies de développement que d'autres collectivités, d'ailleurs pas très loin d'ici à Tarascon, ont utilisé au long de ce mandat. Si vous voyez les travaux qui sont aujourd'hui conduits en face de la caserne qu'il mène, le cours Aristide Briand, ben, nous avons fait l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Si aujourd'hui, toujours sur Tarascon, et c'est bien dommage que ce soit Tarascon qui ait utilisé uniquement cet outil, je le regrette, ça fait partie de mes regrets. Pourquoi il n'y a que Tarascon? Mais j'ai du mal à me l'expliquer. Je pense que la municipalité de Tarascon, qui d'ailleurs n'est pas de mon bord politique, ce qui prouve que nous l'avons fait parce que le projet était intéressant, et notamment sur l'espace multigénérationnel de Tarascon, ben, ils ont compris toute la pertinence de l'outil pour les aider, pour gagner du temps. Parce qu'une société publique locale, c'est en fait la communauté d'agglomération qui l'a initiée, sur ma proposition bien évidemment, mais qui réunit à la fois la communauté d'agglomération et 5 des 6 communes de la communauté d'agglomération. D'accord. Et ça vous permet d'avoir un outil à votre disposition pour porter des réflexions, mais qui évite tout le temps administratif de la commande publique. D'accord. Vous avez immédiatement là des personnes, parce que souvent vous avez besoin d'être accompagné par des techniciens, et donc de mobiliser les techniciens à votre disposition sur des sujets sans aller chercher des compétences dans des cabinets spécialisés. Vous avez là quelques outils à votre service, vous avez une boîte à outils quand vous êtes élu, et savoir utiliser comme un bon artisan les bons outils au bon moment, c'est ce que je crois pouvoir apporter dans cette campagne électorale. La Ville d'Arles n'en fait pas partie. La Ville d'Arles en fait partie, puisqu'il y a 5 des 6 communes. Oui. La seule commune qui n'en fait pas, c'est la commune des Saintes-Maries de la Mer. D'accord. Mais la Ville d'Arles, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, nous avons travaillé avec nos collaborateurs au sein de la SPL à la création de parkings de délestage. Et j'ai présenté un dossier aux élus concernés. C'est, on sait que ces parkings préoccupent nos concitoyens, puisqu'on a mis en place des stations de bon. Et donc, avec 3 millions d'euros, nous avions la capacité de porter 2 parkings, un à l'ancien centre de secours, un au minime. Ensuite, c'était une discussion pour la répartition des charges, si j'ose dire, et donc des recettes du stationnement. La Ville d'Arles et ses élus ont cru que nous voulions, entre guillemets, piquer ce que le maire appelle le domaine productif de richesse, donc autrement dit les dividendes issus du stationnement, alors que ce n'était pas du tout le propos. C'était d'avoir un juste partage entre ceux qui portaient l'investissement, autrement dit la société publique locale du Pays d'Arles, qui aujourd'hui, en plus, j'y reviendrai, on a fait évoluer le capital de la Société d'économistes du Pays d'Arles, qui est désormais adossé à un grand groupe, qui est le groupe Caisse des dépôts Consignation, Habitat. Et donc, tout le monde connaît le groupe Caisse des dépôts. Et le groupe Caisse des dépôts, c'est la Banque des territoires. Et donc, là aussi, si on veut aller chercher des moyens d'agir, encore faut-il bénéficier des financements. Qui ressortent. Exactement. Et donc, là, voilà un outil qui est immédiatement opérationnel, qui peut porter, je l'ai dit, sur les parkings, mais aussi des interventions en centre-ville d'acquisition d'immeubles inoccupés, vacants, à la vente, pour reconquérir les pieds d'immeubles, reconquérir les logements à l'intérieur. Bon, bref, toutes les questions qui, effectivement, aujourd'hui, préoccupent légitimement nos concitoyens. Allez, on commence avec une question de Moez, M-O-E-Z, qui a 40 ans et qui nous dit « J'ai une formation cariste, mais toutes les sociétés partent d'Arles. Qu'allez-vous faire pour bloquer cela ?» Alors, il faut voir de quelle société nous parlons, effectivement. Arles. On va généraliser, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur l'emploi vous concernant, comme je vous disais. Bien sûr, c'est légitime, parce que je comprends que l'emploi et l'accès à l'emploi préoccupent l'ensemble de nos concitoyens. Le taux de chômage a certes baissé, mais il reste à un niveau très élevé par rapport à la moyenne nationale. Nous sommes à 11%, lorsque la moyenne nationale aujourd'hui est à 8,5, 8,7. Et donc, c'est un effort qui doit être permanent. Par contre, il faut regarder ce qui est possible de faire sur le territoire arlésien et puis réfléchir à l'échelle de la communauté d'agglomération, puisque le développement économique et les politiques de l'emploi sont une des compétences principales de la communauté d'agglomération Arles-Croc-Camargue-Montagnat. Mais je voudrais prendre le temps de regarder l'histoire arlésienne. L'histoire arlésienne, c'est une histoire qui, depuis que les Romains ont posé un amphithéâtre et un théâtre antique, est liée à la culture. Ensuite, il y a eu des cultures religieuses, on faisait se faire enterrer aux Aliscans, etc., etc. Et il y a eu une interruption dans cette histoire longue de 2600 ans, où nous n'avions pas, nous, de qualité de production. On était certes des bateliers sur le Rhône, mais il n'y a jamais eu l'histoire du cuir, comme on a dans certaines villes, l'histoire du... etc., etc. Et nous, dans ces 2600 ans d'histoire, nous avons eu une interruption au milieu du 19e siècle, et qui malheureusement s'achève aujourd'hui, qui est une histoire industrielle, que les Arlésiens ont parfaitement en mémoire. Mmh. Ce sont tous les cheminots du parc des ateliers, ce sont celles et ceux CMP. Qui travaillaient, les CMP, c'est également les papeteries Étienne. Et cette histoire-là, on ne peut que le regretter, malheureusement a évolué. C'est une histoire industrielle française, en fait, où l'industrie quitte le territoire national. Par contre, nous avons d'autres richesses. Et c'est là où il y a des possibilités, me semble-t-il. C'est effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie créative. Ne pas oublier que le principal employeur privé de la ville, c'est un éditeur.
Chacun le connaît, je ne vais pas citer, mais on connaît tous les éditions Actes Sud. Voilà, je l'ai cité. mais c'est le principal employeur. Et puis, quand on dit qu'il y a des entreprises qui partent, il y en a qui arrivent. Le groupe Pias, par exemple, dans le domaine de la musique, a repris le label Harmonia Mundi. Quand ils sont arrivés, au départ, ils avaient un contrat de 2 ans en disant, bon, on prend 2 ans, on reste à Arles, on verra bien ce qui se passe. On est plutôt en région parisienne. Et puis, la qualité des propositions, l'écosystème économique arlésien qu'ils ont trouvé sur place, les invités à déplacer leur siège social. Ici, nous avait dit la qualité de vie. La qualité de vie. La qualité de vie aussi était importante. Par contre, aujourd'hui, nous avons un autre souci de ce point de vue, c'est-à-dire que votre interlocuteur, enfin celui qui nous questionne, est chariste. Et donc, on peut se dire, il me parle de culture pendant que moi, je suis chariste. Et donc, après, c'est la répartition, effectivement, au sein de la communauté d'agglomération, plus largement du pays d'Arles. C'est qu'ensuite, il y ait des lieux qui se spécialisent. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous avez la logistique à Saint-Martin-de-Crau, qui s'est installée il y a plusieurs années. Mmh. Vous avez des entreprises liées à l'agroalimentaire à Tarascon. Et puis, vous avez Arles autour de l'économie créative. En sachant qu'après, ce qui nous fait vivre aussi sur ce territoire, et on l'oublie trop souvent, c'est tout ce réseau de TPE-PME. C'est les plombiers, les maçons, les ferronniers qui sont installés pour la plupart en zone industrielle nord. Et la richesse de notre territoire, c'est celle-là. Par contre, il existe partout des peintres, des ferronniers, etc., sur le territoire national. Ce qui nous distingue, ce qui donne notre notoriété partout dans le monde désormais, c'est Arles et la culture. Et donc, nous avons à creuser ce sillon. Et ce sillon est déjà important, je l'ai dit, il y a à côté d'Actes Sud 14 autres éditeurs présents, mais nous avons aussi des festivals importants qui sont créateurs d'emplois. Et donc c'est en fait à l'échelle du pays d'Arles qu'il faut que nous travaillions pour que eh bien, chacun puisse trouver un emploi qui corresponde à ses formations. J'y reviendrai parce qu'on a un souci de ce point de vue. Et donc aussi, c'est aussi accompagner les personnes vers des formations dont les métiers existent sur notre territoire. Par exemple, l'agriculture. On n'en parle jamais, mais l'agriculture est pourvoyeur d'emplois, à condition là aussi que les exploitants agricoles aient suffisamment de rémunération pour salarier dans de bonnes conditions les salariés agricoles. Mais voilà un gisement d'emplois où le territoire du pays d'Arles, et Arles en particulier, l'agriculture reste un secteur extrêmement important et qui est pourvoyeur d'emplois. Donc c'est d'aller aussi, en termes de formation, vers les métiers qui existent sur notre territoire. Voilà pour les premières réponses. Ensuite, c'est une détermination. Bon, et ce que je proposerai juste... Allez-y, non, juste que l'on parle d'emploi. Après, c'est pour pouvoir poser voilà, des questions. Il y a aussi une des propositions que nous portons avec l'ensemble de notre équipe, c'est de postuler au dispositif national, qui est le dispositif zéro chômeur de longue durée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce dispositif. Expliquez-nous. Il y a une expérience qui a été tentée à Jouc, par exemple. Et c'est-à-dire que vous savez que les personnes... de longue durée sont indemnisés. Ils bénéficient soit de l'URSA, soit d'autres indemnisations au chômage, etc. Et en fait, vous regroupez l'ensemble des prestations sociales dont ils bénéficient pour les amener vers d'autres emplois et des emplois utiles au territoire. D'accord. Et donc, une expérience a été menée dans notre département. Il y a 10 autres territoires qui ont bénéficié de cette expérience-là. Elle est positive et Madame la ministre du Travail propose d'avoir... nouvelle étape et d'ouvrir à d'autres territoires cette possibilité-là. Eh bien, nous saisissons et nous saisirons cette possibilité pour tout de suite postuler pour que le territoire du pays d'Arles, mais surtout la communauté d'agglomération, soit demain intégré dans les dispositifs que je viens de décrire, qui s'appelle dispositif zéro chômeur pour zéro chômeur de longue durée. Très bien. Allez, on continue avec Loïc, 42 ans, qui nous dit « Pensez-vous que votre expérience en tant que premier vice-président de la communauté d'agglomération CCM est un atout dans ces élections ?» Non seulement en tant que vice-président de la communauté d'agglomération, mais vous l'avez dit, j'ai la chance et l'honneur de présider la Société d'économie mixte du Pays d'Arles, qui est un des bailleurs sociaux présents sur le territoire, donc toutes les politiques de logement, mais aussi donc la Société publique locale du Pays d'Arles. Et je vous ai dit quel était l'intérêt pour porter des stratégies d'aménagement. Et en fait, on a là un outil, on parle nous du groupe SAMPA, et en fait, on a un outil pour porter des stratégies, et ensuite, un outil qui est une SEM pour porter ensuite la gestion de la stratégie. Et notamment, si vous avez des programmes d'aménagement où il y a de l'immobilier de suite, eh bien, vous définissez le programme d'action. Je pense à des territoires comme des espaces comme les Minimes, où il y a un enjeu fort, 7 hectares en friche à proximité immédiate du parc des ateliers et au cœur de notre agglomération. Eh bien, demain, sans hésitation,
Nous vous proposerons à la SPL de porter les stratégies d'aménagement pour le cinéma dont tout le monde parle, mais peu disent comment il doit être arrivé sur le territoire, mais aussi le parking dont nous avons besoin, à la fois pour satisfaire les besoins du parc des ateliers, la Fondation Luma en particulier, mais aussi les parkings de la stage pour tous ceux qui arrivent par la route de l'Accro, qui avant de pénétrer en automobile dans le cœur de ville pourraient stationner là. Et bien ça, ensuite d'avoir, par exemple, je sais que la Chambre de commerce et d'industrie réfléchit à installer un certain nombre de ces équipements aussi sur le site des Minimes. C'est bien beau de dire on veut ceci, on veut cela, mais comment on le fait? Et puis moi, je viens avec des engagements très clairs, notamment du groupe Caisse des dépôts, puisque je les connais bien, et d'accord, qui sont prêts à porter l'acquisition. Ils ont écrit à M. le maire pour dire nous, on veut bien porter l'acquisition des Minimes pour confier avec la SPL et à nous qui avons ce savoir-faire, eh bien, la stratégie d'aménagement. C'est-à-dire que l'expérience, puisque c'est la question qui m'est posée, elle m'est très utile pour, je le répète encore une fois, utiliser les bons outils, et pas simplement être dans l'incantation. Très bien. On continue avec une question de Pierre, 32 ans, qui nous dit « Comment voyez-vous l'évolution des relations entre la Tour Luma et la mairie d'Arles ?» D'abord, je voudrais répéter, cela a été dit avant moi, mais je le reprends volontiers, que c'est une chance extraordinaire d'avoir ce type d'investissement qui, bien sûr, se traduit par quelque chose de très visible, qui est une véritable œuvre architecturale confiée à un prix Pritzker d'architecture. Il y a peu de villes de 50 000 habitants qui accueillent une œuvre d'un prix Pritzker d'architecture, en l'occurrence Franck Guéry. Mais au-delà de ça, c'est toute la réhabilitation d'un site qui était fermé, on l'a oublié, mais depuis les années 80, pratiquement 30 ans que ce site n'avait aucune vie, et la Fondation Luma redonne une vie. Et la Fondation Luma n'est pas que des équipements culturels. La Fondation Luma, ça va bien au-delà. C'est un véritable laboratoire recherche et développement sur la société de demain. Vous savez qu'il y a Atelier Luma aussi à l'intérieur, qui réfléchit à l'utilisation des ressources locales, la paille de riz, les algues, le sel. Et à partir de cette expérimentation, peut-être nous pourrons retirer des choses qui vont être dans le domaine de la production ensuite. Comment on valorise la paille de riz? Est-ce qu'on peut accueillir des activités de ce point de vue? On parle beaucoup de l'isolation avec la paille de riz. Notamment, c'est une des destinations de la paille de riz, bien évidemment. Et est-ce que donc, à partir des expérimentations conduites au sein de l'atelier Luma, on peut demain développer des process industriels de fabrication? Ça suppose quand même, et c'est bien le regret que je formule, c'est que nous n'avons pas réussi avec la municipalité à expliquer ce qu'était la Fondation Luma. Et du coup, ça soulève énormément de questionnements chez nos concitoyens qui disent, mais grosso modo, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est pour moi? Je le dis très clairement, tout le monde ne va pas travailler demain à la Fondation Luma. Ce n'est pas eux qui vont créer 1000 emplois d'un coup. Par contre, c'est potentiellement 200 à 300 000 visiteurs supplémentaires. C'est ce que je vous ai dit sur la recherche et le développement, sur l'utilisation des ressources locales. Et puis, c'est une notoriété internationale, puisque vous l'avez vu, vous l'avez entendu, le New York Times nous a cité parmi les 42 destinations au monde. Et donc, y a peu de villes de notre importance qui ont cet honneur-là. Ensuite, qu'est-ce que nous en faisons? Et c'est bien là aussi de la difficulté. Il ne s'agit pas simplement d'accueillir, c'est ensuite d'avoir une véritable politique proactive pour aller à la rencontre de celles et ceux qui peuvent investir sur notre territoire. Et je prends un exemple particulier. J'ai beaucoup regretté ne pas être accompagné par la communauté d'agglomération. Je l'avais proposé parce qu'il y a un grand salon national à la Bourse de Paris qui est le salon France Initiative. Vous connaissez, c'est le même réseau qui accompagne la plateforme Initiative Locale et où on met en relation à Paris les territoires avec des investisseurs. Et nous avions l'ambition au mois d'octobre dernier d'aller défendre, et notamment avec un site particulier, le site des papeteries Étienne, et de dire, ben, regardez, nous avons un site aujourd'hui en friche, malheureusement, sur lequel nous avons une amorce de requalification avec l'accueil des rencontres d'art et de leur atelier de fabrication, avec la Compagnie nationale des arts de la rue, l'Utopie, qui s'est installée, et puis avec le projet d'installer le pôle culture et patrimoine et Archéomède, ce cluster d'entreprises autour du métier du patrimoine. Et derrière, j'y reviendrai, on a des possibilités de valorisation du site. Encore faut-il ne pas simplement mettre un panneau en disant, si vous voulez vous installer ici, téléphonez au 06 12 quelque chose, et que d'un coup, on espère qu'un type passe, se dire, mais comment? C'est là qu'il faut que je m'installe. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est aller là où les entreprises ont, pour leurs salariés, 2 à 3 heures de transport quotidien, qu'ils ont un ciel un peu gris sur le bas de la tête, qu'ils n'ont pas la chance de vivre au port de la Camargue ou des Alpilles, qu'ils n'ont pas la chance de voir la qualité de vie que vous avez vous-même indiquée, et leur dire vraiment, si vous travaillez dans ce domaine de l'image, dans le domaine du son et de la musique, dans le domaine de l'édition, vous aurez, dans le domaine du métier du patrimoine, vous aurez un écosystème arlésien qui va favoriser votre activité.
Mais il n'y a pas que ce développement-là, je répète. Ce qui fait vivre notre économie aujourd'hui, c'est tout ce réseau de TPE-PME. Par contre, notre notoriété, c'est Arles et la culture. Et ça, ça ne pourra pas changer parce que ça fait 2600 ans d'histoire. Et je pense que demain, l'équipe municipale qui s'installera devra faire preuve de ce point de vue de beaucoup d'humilité. Quand bien même nous faisons un mandat, aller voir deux, ça fait 12 ans dans 2600 ans d'histoire. Je pense qu'il faut quand même redescendre sur terre et se dire que l'action que nous avons à voir, elle va poursuivre et prolonger un mouvement qui est très ancien. Depuis que les Romains ont posé, je répète encore une fois, un théâtre antique et un amphithéâtre, art et culture. Et c'est ce qui fait notre image de marque. Après, nous avons eu beaucoup de chance d'accueillir un peintre qualifié à l'époque d'un peu fou, qui a peint ses plus belles toiles en représentant notre ville et notre territoire, qui nous donne là aussi une renommée internationale. Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur des Lucien Clergue et d'autres encore qui l'ont accompagné pour créer il y a 50 ans les rencontres internationales de la photographie. Nous sommes la Provence, nous sommes la tauromachie, nous avons des vecteurs de communication. Vous pensez que dans 50 ans, on dira il y a Van Gogh, il y a les Gypsy Kings et il y a Luma. Est-ce que ça fera partie... En tout cas, j'espère pour les Gypsy Kings qu'ils soient effectivement à côté de Van Gogh. Mais ce que je veux dire, c'est voilà. Est-ce que ça sera les arènes? Je pense que c'est là où il faut que nous soyons modestes. C'est-à-dire que l'histoire d'Arles, elle s'est faite avant nous et elle continuera après nous, quoi que nous en pensions. Et que cette histoire, c'est donc nous, notre rôle de municipalité, c'est non pas de défaire, d'inventer des choses, en disant c'est moi qui l'ai fait, etc. C'est plutôt de répondre aux attentes et aux besoins d'un territoire. Des attentes parfois très basiques, on va l'aborder sans doute, la propreté, etc. Mais des attentes beaucoup plus ambitieuses. Et on revient à votre interlocuteur de tout à l'heure qui souhaitait effectivement qu'on ait une dynamique autour de l'emploi. Mais si, parce que ce territoire, il a absolument besoin, me semble-t-il, de deux choses. Et c'est le constat qui est le fruit de mon expérience. On parle souvent du manque de moyens. C'est une réalité. Effectivement. Et donc, la première des nécessités, c'est de créer et accueillir des activités qui génèrent de nouvelles richesses. Ce territoire a besoin de richesses. C'est notre priorité dans notre projet politique. C'est d'abord générer des richesses. Vous voyez que je ne parle pas tout de suite d'emploi. Je parle bien de richesses. Parce que sans ressources fiscales, ensuite, derrière, vous avez du mal à assurer les services publics que vous devez assurer auprès de vos concitoyens. Donc, c'est le devoir numéro un. Mais ce qu'il manque à ce territoire aussi, c'est un véritable projet politique qui donne à lire un avenir. Et c'est bien, je reviens à la Fondation Luma. La question de Mans, c'est que depuis 10 ans, ce projet-là est en gestation. Il est sorti de terre et on le voit depuis l'ensemble de la ville comme le nez au milieu de la figure. On est sur la fin, là, quand même. Voilà. Oui, normalement, ça date. Voilà, mais ce projet est en gestation depuis 10 ans. Mais qu'est-ce que nous avons expliqué aux Arlésiens de l'intérêt de ce projet? Pourquoi c'est une chance pour Arles? Pourquoi c'est extraordinaire de pouvoir accueillir quelqu'un qui a investi 300 millions d'euros. On n'en est plus à 200, on en est à 300 millions d'euros d'investissement, qui est donc le principal investissement privé aujourd'hui sur tout le département des Bouches-du-Rhône. Et peut-être que le grand port maritime de Marseille, encore, je ne suis pas tout à fait sûr. On a cette chance-là, qui en plus a généré une nouvelle dynamique. Cela a été dit, elle a été accompagnée ensuite par d'autres investisseurs. Aujourd'hui, Fragonard arrive, l'IFAN s'installe, et bien d'autres encore, comme la Fondation Ortiz. Après, c'est le décalage entre ce temps dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un temps d'une culture ouvrière qui est très forte à Arles, industrielle, qui a marqué les époques. Tout le monde avait le rythme fixé par les sonneries d'entrée de service au parc des ateliers. Cette histoire-là, on peut le déplorer, on peut le regretter, on peut le dénoncer, mais aujourd'hui, malheureusement, elle semble être en passe de s'arrêter, puisque la dernière grande entreprise qui a employé plus de 50 salariés, qui est la SME, la cartonnerie, est en train de réduire ses effectifs pour transformer son lieu de production en simple lieu de stockage. Et donc, il faut avoir une dynamique qui s'appuie sur nos qualités. L'agriculture, je le répète, c'est très important. Avec toutes les questions liées à l'alimentation aujourd'hui qui préoccupent nos concitoyens, c'est un enjeu pour nous d'accompagner les agriculteurs. J'y reviendrai parce qu'il y a de vrais soucis de ce point de vue en termes d'équipement pour les agriculteurs. Et ensuite, ce qui fait la richesse, je l'ai dit, c'est aider les chefs d'entreprise installés en zone nord d'être dans de bonnes conditions de travail, la requalification de la zone nord. Aider les commerçants, après avoir fait shopping promenade, c'est un autre investisseur qui est arrivé. C'est 30 millions d'euros, c'est une centaine d'emplois aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura d'autres, puisqu'il reste encore des cellules inoccupées. Aujourd'hui, ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a une dynamique qui montre qu'Arles se transforme. C'est aussi le retour de l'immobilier et des investisseurs, des promoteurs immobiliers privés. Il y a au moins deux grands projets, un en route de l'Acro avec Primo Sud, un au nord de la ville avec le groupe Pichet. Il y a bien longtemps que nous n'avions pas accueilli des promoteurs privés. Et là aussi, c'est de la richesse qui est générée, parce que pour construire des logements, qui travaille?
des entreprises, et souvent des entreprises locales, pour éviter les transports. Et nous avons, dans le domaine du PTP, dans la fédération du PTP, des entreprises fortes sur le territoire. Et donc cette dynamique-là, ensuite, il faut le fixer pour un projet politique. Il faut donner à lire et à comprendre à nos concitoyens l'évolution de leur ville. Oui, il y avait un passé industriel. Je doute qu'on puisse le retrouver. Et donc, on a un autre avenir à construire ensemble. Mais encore faut-il avoir cette vision d'un avenir possible et le construire les uns avec les autres. Parce que c'est le deuxième souhait que je formule, c'est que nous travaillons les uns à côté des autres. Et c'est bien un mal qui est du coup très fixé sur notre territoire. Et donc, on a besoin d'apprendre et d'avoir de véritables synergies, de se fixer des objectifs entre tous les acteurs, que ce soit la chambre de commerce, que ce soit la communauté d'agglo, que ce soit la ville, bien évidemment, mais aussi toutes les, aujourd'hui, les chefs d'entreprise se structurent en association, Écopole en zone nord, Cap Fourchon pour Fourchon. Et donc, c'est construire ensemble. Ne pas décider seul, parce qu'aujourd'hui, personne n'a la vérité révélée, ça n'existe pas, je ne suis pas l'homme providentiel. Par contre, j'ai la volonté, et c'est tout le rôle du politique, c'est d'être un peu le chef d'orchestre avec des musiciens et de faire jouer une belle harmonie plutôt qu'une cacophonie. Justement, vous parliez d'un service municipal fort, et on a une question là-dessus, qui est une question, elle est où? Elle était là, je l'ai vue. De Rachid, 48 ans, qui nous dit « Monsieur Grisbe, qui est vous qui êtes en mairie depuis longtemps, quel avenir pour les agents municipaux ?» Ah ben, l'avenir pour les agents municipaux, alors ça dépend comment on le prend, leur avenir personnel, il est fixé par le cas de la fonction publique. J'ai bien compris la question. Ce que je veux dire, c'est qu'on a à redresser l'appareil municipal, c'est incontestable. Ça ne veut pas dire que les agents municipaux ne sont pas au travail. C'est un procès trop injuste qui leur est souvent adressé. Par contre, quelles sont les missions qui leur sont demandées? Et ça, c'est que chaque agent doit connaître effectivement ses missions. Il y a des fiches de poste qui n'existent pas forcément. Et donc, et ensuite, il faut qu'ils soient évalués. On regarde la fiche de poste, c'est d'abord une obligation, ça aussi. Et puis, il y a aussi à remettre de l'encadrement intermédiaire. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que pour faire de la gestion budgétaire, on s'est beaucoup appuyé sur la masse salariale. Et donc, on est passé de 1400 agents à 1100 et quelques. Mais on a aussi supprimé le corps intermédiaire, c'est-à-dire ce que dans une usine, on appelle le chef d'équipe, le contremaître, etc. Et nous, on a une haute administration et, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, des personnes qui exécutent les missions qui sont espérées. Si vous ne contrôlez pas, si vous n'avez pas ce relais intermédiaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fonction publique, les cadres B de la fonction publique, eh bien, aujourd'hui, vous n'avez le mouvement, si j'ose dire, n'est que descendant, il n'est pas souvent compris, et donc on a besoin de restructurer l'appareil en faisant des choix. Et c'est là aussi ce qui me distingue parfois des candidats qui se présentent, c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent tout faire d'un coup. Et qu'il y a 60 policiers municipaux, mais en même temps la médiathèque, mais en même temps du personnel suffisant dans nos écoles, etc. etc. Tout n'est pas possible. Grisbe ou pas grisbe, personne n'a trouvé la poule aux œufs d'or. Et donc les moyens budgétaires sont limités. Et donc c'est de vrais choix politiques qui sont devant nous. C'est pour ça que les propositions que je formule sont beaucoup plus modestes que d'autres en termes de police municipale, mais ils existent. Parce que je veux en même temps redonner tout son souffle à la médiathèque pour en faire le pivot d'un vrai projet éducatif municipal. J'y reviendrai parce qu'il y a une grosse préoccupation de notre part avec l'ensemble de mes équipes. C'est qu'aujourd'hui, 25%, soit un élève sur quatre, 25% des élèves arlésiens quittent le système scolaire sans aucune qualification, brevet des collèges compris. Donc ça montre l'ampleur de la tâche. Et ce constat-là nous oblige. Et le choix que nous devons faire à travers un vrai projet éducatif municipal, c'est de miser sur des enfants qui ont aujourd'hui 5 ou 6 ans pour espérer récolter le fruit quand ils en auront 16 ou 17. Et en politique, ce temps-là, plus personne ne veut se le donner. Nous voulons le donner. C'est peur, ce temps-là. Oui, mais si vous ne construisez pas une politique sérieuse, si vous ne prenez pas le temps et de miser et de faire des choix clairs et des choix sur le long terme. C'est-à-dire que si chaque fois vous remettez en cause vos choix, et donc, par exemple, j'ai entendu dans le débat par rapport à l'avenir économique, certains qui de coup nous disent, parce que l'écologie est à la mode, on va développer un territoire qui va s'appuyer sur la green technology pour certains, sur l'économie autour de l'écologie. Mais quels sont les outils de formation dans ces domaines-là dont nous disposons? Moi, je connais des outils de formation précieux, c'est l'École nationale supérieure de la photographie. C'est MOPA à condition que MOPA conserve son avenir. C'est un IUT qui est dans le domaine de l'informatique, mais je ne connais pas de formation spécialisée dans cela. Après, on a la Tour du Valat qui est autre chose. Voilà. Donc, c'est quand on construit une filière, il faut d'abord s'appuyer sur l'existant. Et par exemple, quand je parlais tout à l'heure de tout ce réseau de TPE-PME, il y a un outil qui est là aussi, non pas méconnu, mais qui a encore largement la place d'accueillir, c'est le centre de formation des apprentis de la filière BTP, justement, où il y a une capacité d'accueil de 200 élèves. Rond-point de Gimont. Exactement. Et aujourd'hui, ils sont 80.
là aussi, c'est à nous. Et donc, d'avoir comment on met un rapport, comment on revalorise l'apprentissage pour celles et ceux qui n'ont pas toutes les qualifications dont je viens de parler, et comment on les amène à rencontrer des entreprises. C'est-à-dire que c'est là le rôle de la municipalité, c'est de faire du lien. Ce n'est pas de faire soi-même, c'est d'accompagner celles et ceux qui font en leur donnant les moyens de réussir. On va très rapidement en faire une dernière parce que du coup, sinon, il y aura plein de gens qui seront frustrés de ne pas avoir répondu à leur question. Pardon. C'est Josette qui a 69 ans et qui nous dit « Que comptez-vous faire pour les seniors ?» Tu avais peut-être une question, Ludovic ? Non, c'est Josette. Je revenais sur Josette. Ben voilà, je vais passer la question. 69 ans. Elle veut qu'on l'appelle Jojo, d'ailleurs. Pour les seniors. Alors, on l'embrasse, Josette, d'ailleurs. Il y a déjà un constat qui est assez rapide. Ouais, qui est un constat national, c'est-à-dire que la population française vieillit et que des seniors, il y en a de plus en plus. Et donc, notre devoir, c'est déjà d'avoir une action qui réponde à leurs besoins. Leurs besoins, c'est quoi ? C'est lorsqu'ils sont les plus fragiles, le maintien à domicile, l'aide à domicile, ce que fait le Centre communal d'action sociale, qui demain basculera peut-être en Centre intercommunal d'action sociale. C'est un souhait de votre part ? C'est un souhait, c'est surtout une compétence désormais de la communauté d'agglomération qui a été décidée. Donc, il n'y a plus le choix. Voilà, donc nous aurons demain à nous interroger pour partager l'action sociale à l'échelle, et ça me paraît pertinent. Donc ça, c'est pour vraiment les besoins immédiats, si j'ose dire. Et puis, quand on est senior, comme on dit aujourd'hui, ou personnes âgées, comme on disait il y a encore quelques temps, on n'est pas tout de suite en invalidité. Parce que je ne pense pas que Josette, vu sa réaction générale... Et donc, il y a aussi d'avoir une politique de loisirs. D'accord. Et c'est symbolique. C'est pas dessus que c'est pas leur situation ne va pas se transformer. Ce que nous proposons, mais c'est le retour d'un bal mensuel à la salle des fêtes. D'accord. Alors c'est complètement symbolique, mais j'y tiens. Pourquoi ? Parce que autres les personnes adorent danser. Et sur Arles, il y a énormément de très bons danseurs. Et retrouver... Vous dansez bien vous-même, je crois. Non, ça, par contre, voilà. Ça, moi, non. On en parlait tout à l'heure, c'est bon. Exactement, non, pas du tout, malheureusement. J'aimerais bien, parce que quand on voit quelqu'un danser le tango, c'est tout à fait exceptionnel. Et Dieu sait s'il y a des pratiquants du tango sur notre territoire. Et puis, ça va au-delà de simplement le moment de loisir et de détente. C'est aussi de prendre soin de l'autre. Pourquoi il est là ? Pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui ? Est-ce que tu sais, tu as des nouvelles ? Bon, bref, et de lutter contre la solitude qui parfois préoccupe nos anciens. Donc à la fois leur rendre les services, et puis il y a ce que vous poserez sans doute comme question, il y a aussi toute l'offre de soins qui est une vraie question, le devenir de l'hôpital de ce point de vue, le pôle de gériatrie, et j'ai la chance de pouvoir compter dans mon équipe sur le docteur Levrault que chacun connaît, d'abord pour son engagement politique passé, mais aussi et surtout parce que c'est le chef du pôle gériatrie de l'hôpital d'Arles et la directrice des maisons de retraite, que ce soit Jeanne Calment ou la maison du lac. Et donc, nous pouvons compter sur son expérience pour justement, sur l'offre de soins, essayer d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens les plus âgés. Merci, David Grill, pour cette première partie. On va se quitter quelques minutes en musique. Stéphane, quel morceau, le premier morceau choisi par David Grill ? Eh bien, écoute, le collectif Lisba. Ah, belle surprise. Nous l'avons reçu. Belle surprise. Nous avons réussi à avoir la. Voilà, parce qu'on n'y arrivait pas. Donc pourquoi ? Exactement. Quel choix ? Explique-nous rapidement ce choix, David. D'abord parce que au-delà du collectif Lisba, vous allez reconnaître une voix arlésienne que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de talent. Et puis j'ai la chance de vivre à côté de chez lui. Nous sommes voisins. Et donc j'apprécie énormément Jean-François Véran. Mais le collectif Lisba, au-delà de Jean-François Véran, s'est installé depuis longtemps à domicile à Griffeuil, à l'espace Ariane. Et nous les avons, au titre de la SAMPA, accompagnés dans cette station. Je ne suis pas le seul, il y a plein d'autres structures qui les ont accompagnés. Mais voilà un collectif qui est dans un quartier d'habitat populaire pour délivrer d'apprentissage autour des pratiques du théâtre. Et qui est tout à fait remarquable. Et je voulais saluer à la fois le collectif Lisba, mais aussi mon ami Jean-François Véran. On écoute tout de suite le collectif Lisba. On se retrouve dans quelques minutes avec David Grise pour la deuxième partie de cette émission de cette 10e. Merci. Élection municipale 2020 sur Radio RPA. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne peux pas rester là en me croisant les bras. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne veux plus les voir pleurer. Ça vaut le coup d'essayer. Essayons pour une fois de regarder droit devant nous. Avançons la tête haute sans plus jamais se mettre à genoux. Il n'y a plus aucune raison de rester au fond du trou. Débarrassons-nous de cette corde qui nous brûle le cou. Avançons avec courage, ils finiront par avoir peur de nous. Ils comprendront dans leur palais qu'ils nous ont rendu fous. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne peux pas rester là en me croisant les bras. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne veux plus les voir pleurer. Ça vaut le coup d'essayer.
On peut en être sûr, ils ne feront pas de cadeaux. Si on ferme encore les yeux, ils nous mettront tous sur le dos. Les cendres de notre silence, ils nous les jetteront en plein visage. Ils voudront nous faire oublier qu'il nous reste la rage. Devant nous, sans tarder, devant nous, les poings fermés. Il est encore temps de se battre, il est encore temps de gagner. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne peux pas rester là en me croisant les bras. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne veux plus les voir pleurer. Ça vaut le coup d'essayer. Reprenons le chemin qui nous ramène à la surface. Ne les laissons pas croire que nous sommes à l'aise dans notre cage. Si on veut encore se regarder dans la glace, n'attendons plus que ça passe. Ne restons pas sur place, devant nous, sans tarder, devant nous, les poings fermés. Il est encore temps de se battre, il est encore temps de gagner. Mais qui a bien pu penser qu'on était enchaîné, qu'on n'allait pas faire de bruit? Mais qui a bien pu croire qu'on allait se déchirer, qu'on n'avait rien compris? Comme si on pouvait nous oublier, comme si on pouvait nous jeter. On va rester là, bien accroché, on va rester là pour vous surveiller. On va rester là, on va rester là, on va rester là. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne peux pas rester là en me croisant les bras. Même si je sais qu'on ne changera pas le monde, je ne veux plus les voir pleurer. Ça vaut le coup d'essayer. 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 Élection municipale 2020 sur Radio RPA. Et nous sommes de retour pour cette deuxième partie des élections municipales avec monsieur David Grisbe. David, tout va bien ? Tout va très bien. Ça va ? Une première partie intense. Exactement. Bon, alors on va passer donc aux 15 thèmes et vous allez pouvoir en tirer 5 comme ça au sort. Et pour cela, on appelle le stagiaire, évidemment. Il est là, tu l'as vu ? Le stagiaire ? Ah, je l'ai vu passer en tout cas. Ah, sinon, je vais me débrouiller tout seul, stagiaire ? Stagiaire ! Ah, il est là ! Oh là, magnifique. Quelle complicité. Oui, je sens qu'il y a quelque chose entre vous. David Grisbe, 5 thèmes, ouais. 5 minutes par thème. Les Sont autres, là. On essaiera de les développer un peu rapidement. Au plus, vous répondez vite au thème, au plus, vous avez de temps pour les autres. Thème choisi. C'est parti, David Grisbe, pour le premier. Stéphane, tu mets le timer. Et le premier ? Le sport. Ah. Le sport. Le sport, David Grisbe, qu'est-ce qu'on fait pour le sport arlésien ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est toujours une question délicate parce que est-ce qu'on privilégie le sport pour tous, le sport de compétition ? Ce sont des choses récurrentes. Alors, tout le monde va dire on fait les deux. Difficile d'avoir des équipes de haut niveau, on le voit bien. Aujourd'hui, grand supporter du VBA devant moi. On en a eu. Très présent aussi, David Grisbe. Mais tout le monde est présent. À Fournier. Et on voit bien qu'à un moment donné, franchir, passer du sport amateur au sport professionnel, ça suppose des moyens dont nous n'avons pas forcément. Par contre, nous avons des sports individuels aussi où là, nous avons de grandes réussites. Donc sur récemment d'ailleurs. Enfin, exactement, oui, tout à fait, dans le domaine du karaté notamment, mais aussi du kickboxing ou de la boxe anglaise. Et d'ailleurs, parmi les projets d'équipement, pour aller sur cette question-là, que nous portons, nous réhabiliterons le stade des Cités. Pour la pratique du rugby, ça nous semble indispensable. Je rejoue peut-être. voilà, donc y apporter un outil, là aussi, au-delà du sport et du niveau de l'équipe, c'est surtout 400 gamins qui sont accueillis par le club et dans des conditions qui ne sont pas aujourd'hui favorables.
Et puis, il y a donc la pratique des sports de combat, ou de réfléchir avec l'ensemble des clubs à avoir vraiment une salle multi-activité de combat, où ils puissent mutualiser par exemple une salle de musculation, mais chacun à avoir. Il y a beaucoup de sports de combat sur. Exactement. C'est une pratique là aussi qui accueille énormément de pratiquants et d'enfants notamment. Et je remercie d'ailleurs tous les acteurs de ces clubs qui, comme d'ailleurs pour tous les clubs sportifs, on accueille régulièrement de nombreux enfants. Donc pour les sports de, pour les sportifs de haut niveau, c'est sans doute aussi le service des sports et la municipalité doit accompagner certains sportifs en leur proposant des contrats qui leur permettent de concilier leur activité sportive et leur vie professionnelle. C'est pas simple d'être sportif de haut niveau. Mais ensuite, il y a toute la pratique du sport pour tous. Alors plutôt que des assises dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est-à-dire qu'on s'est réunis une fois, puis après on revient l'année prochaine, moi je pense que nous avons un outil qui aujourd'hui n'a pas encore la dimension qu'il devrait avoir, c'est l'office des sports, et d'en faire un véritable office municipal des sports. Qui n'est plus un office municipal des sports. N'est plus un office municipal. Alors après, est-ce qu'il doit être municipal ou pas ? Franchement, je n'ai pas de tabou là-dessus. Mais c'est surtout de lui donner les moyens, donc des moyens humains et des moyens financiers, pour que ce soit vraiment le lieu de la construction de la politique sportive tous ensemble. Et vraiment qu'on ait des temps d'échange permanents sur les conditions de déplacement. Comment on va quand on est un club sportif, on bénéficie, on a quelques petits bus qui sont surutilisés, mais ensuite comment, voilà des choses très pratico-pratiques. Et ensuite, quelle est la politique aussi en termes de subventions ? Comment on mutualise des moyens humains en termes de secrétariat, de comptabilité, ce qui est voilà. Et donc d'avoir un lieu d'échange permanent et vraiment de donner toute sa place à l'Office des sports dans la construction de la politique sportive municipale. Vous avez encore 2 minutes si vous voulez parler de sport, on peut passer à autre chose. Après, oui, alors je vais élargir un peu plus que le sport, parce que je ne sais pas si j'aurai la question, c'est en fait la relation à toutes les associations. Chaque année, nous votons des subventions, ce qui veut dire que la date limite, c'est fin décembre, puis on vote le budget généralement en février-mars. Donc, ce qui veut dire que les gens s'interrogent chaque année pour savoir s'ils vont pouvoir être accompagnés. Et donc, pour les associations sportives, mais aussi culturelles ou tout simplement de loisirs, nous voulons modifier les choses et avoir un vrai contrat pluriannuel, de donner du temps. Je sais que pour. Mais de donner du temps aux associations en leur proposant de véritables conventions sur 3 ans. Au moins, sachant que 3 ans, ils ont des participations qui sont garanties. D'accord. Pas forcément toujours suffisantes, mais au moins, ils pourront compter sur cet engagement-là dans la durée. Et c'est comme ça qu'on construit des politiques, et notamment des politiques associatives, parce qu'au moins, les bénévoles, mais aussi tous ceux qui animent ces associations, vont dire là, je sais que pendant 3 ans, je vais pouvoir compter sur telle participation. Avec de l'argent, donc des subventions qui tomberaient d'un coup pour 3 ans, non, qui seraient réparties. Chaque année, parce que ça, d'accord, c'est une obligation liée au fonctionnement budgétaire de la collectivité, mais il y aurait plus à s'interroger. On fixe un contrat, on le signe, d'accord, ensemble, et on se dit, chaque année, vous avez X de participation, jusqu'en, et puis on fait une évaluation. Est-ce que vous avez atteint les objectifs ? C'est aussi nous permettre aussi de peser sur des objectifs partagés. J'ai parlé tout à l'heure de projets éducatifs, et donc le secteur associatif a beaucoup à nous apporter sur l'élaboration de ce projet éducatif, mais il faut lui donner des moyens et du temps et des objectifs partagés. Très bien, on continue avec celui d'après. Écoutez, malgré vous, David Gribbs, vous avez répondu à Florine qui nous disait « Bonjour David Gribbs, comment vous voyez l'avenir du monde associatif à Arles ? Qu'est-ce que vous inspire l'économie contributive ?» Voilà, donc question de moyen que j'aurais à poser. C'est très bien, de toute façon, il y a un thème milieu associatif qui sortira ou pas, en tout cas on allez, pourra l'aborder rapidement. Deuxième thème. Le deuxième thème tiré par David Grisbe. Le milieu associatif. C'est truqué, cette émission. Et je vous promets que cette émission est truquée. N'est pas truquée, mesdames et messieurs. Cette émission n'est pas truquée. Donc, David Grisbe, le milieu associatif, on continue, on déroule. Bah, bon, je pose la question de Florine, alors du coup. Voilà, elle est posée. Alors, je viens d'en parler. Donc oui. Je pense que donner du temps aux associations, et puis c'est ensuite réfléchir avec le tissu associatif sur un groupement d'employeurs. Je l'ai dit, aujourd'hui, nous avons des conseils d'administration où les cheveux blancs sont de plus en plus nombreux. Et on a du mal, je ne dis pas que des adhérents d'associations pour la pratique associative, il y en a plein. Par contre, celles et ceux qui donnent du temps pour que ces pratiques-là soient possibles, les bénévoles des associations, il y en a de moins en moins et on assiste à un vieillissement. Ils ont besoin d'être soutenus. Par contre, on ne va pas pouvoir offrir les moyens d'une secrétaire dans chacune des associations, d'un comptable dans chacune des associations. Et donc, d'avoir des réflexions sur un groupement d'employeurs, ça existe, hein, et de voir comment les associations vont pouvoir bénéficier sur des compétences, mais des compétences partagées. Parce que quelqu'un qui est capable de faire la comptabilité de l'association de l'escrime, elle est peut-être tout aussi capable de faire celle du handball, etc. Alors après, je sais que c'est tabou,
C'est pas aussi simple que ça, parce que c'est facile à énoncer, mais chacun aime avoir ses propres prérogatives. Chacun aime gérer de sa façon. Mais je pense que c'est des pistes, parce que la raréfaction des crédits publics, c'est une réalité. Et donc, il faut apprendre à partager. Oui, on a besoin aujourd'hui. Alors, il y a déjà de l'emploi dans les associations. Oui, non, mais ça pourrait créer des postes, je veux dire. En tout cas, ça permettrait de garantir certains postes et d'explorer, d'en développer d'autres. Aujourd'hui, les associations ont besoin de se faire connaître. Donc, les communications, les moyens de la communication. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des personnes qui sont capables de communiquer sur les événements, qu'ils soient sportifs ou culturels, et qu'ils soient partagés entre les uns et les autres. Très compliqué d'avoir les informations pour communiquer sur les associations, notamment sportives. On le dit, on le redit. C'est pour ça que si vous avez une personne compétente et professionnelle qui travaille pour plusieurs acteurs, eh bien, elle nous permettra d'avoir un interlocuteur pour plusieurs actions. Voilà les pistes. Après, il y a soutenir les structures que nous connaissons. Hein, et je voudrais souligner, en les remerciant et en leur exprimant toute ma reconnaissance à toutes les équipes qui se sont succédées sur la Maison de la Vie Associative. Voilà une très belle structure qui a été justement créée il y a bien longtemps maintenant, en 1996, à l'époque avec le précieux concours de M. Rocky, et aujourd'hui présidée par M. Laugier, et puis toutes les équipes qui les ont accompagnées. Et là, nous avons quelqu'un qui a travaillé dans notre équipe justement à la Maison de la Vie Associative, c'est Mme Almendros, Martine, que chacun connaît parce qu'elle a été un des pivots professionnels de la Maison de la Vie Associative. Donc il faut que la maison associative ne soit pas détruite, comme je l'ai lu et vu. Je crois qu'elle ne peut pas être détruite. En plus, c'est une réalité. En tout cas, ça sera très compliqué. Bon, voilà. Mais surtout, il faut lui donner les moyens, où là aussi, et je ne veux pas polémiquer avec les moyens se sont réduits, les moyens donnés à la vie associative. Donc la ville va continuer à porter son soutien. Mais je sais qu'il y a eu des regrets par rapport à l'investissement de la communauté d'agglomération. Là aussi, comment accompagner la maison de la vie associative pour qu'elle continue à apporter tous ces services qu'elle apporte aux associations, à la fois d'un lieu et de mutualiser des lieux. On voit qu'on peut mutualiser, puisqu'on a mutualisé des lieux. Et là, on voit bien qu'il y a des salles qui sont mutualisées, mais aussi des compétences. Et donc, de vraiment que ce formidable outil perdure et se renforce. Et par rapport aux grosses associations, j'ai envie de dire, comme les Sud, comme le Cargo, qui ont perdu énormément de dotations, de subventions de le département, de la région, comment la ville peut... Alors, c'est une difficulté, parce que je ne vais pas promettre que nous arriverons à compenser ce que d'autres ne donnent plus. Ce n'est pas vrai. Hein. À un moment donné, les choix budgétaires qui s'imposent à la ville d'Arles ne permettent pas d'un coup de dire « ne vous inquiétez pas, on va compenser ». Donc, c'est d'abord se battre pour et de convaincre les grands partenaires, que ce soit le département ou la région, de continuer à aider le tissu arlésien et se mobiliser pour ça. Et puis, c'est aussi au niveau des associations d'essayer de leur permettre, pour ces grandes associations, d'être partout. Et ce n'est pas aussi évident que ça. Les Saliniers, par exemple, est-ce qu'ils sont bien arlésiens? Ils payent le même niveau d'impôt, les Mastivartés, de la même manière que les arlésiens. Et ils ont un souvenir en tête, c'est la fameuse nuit de l'année des Rencontres de la Photo, il y a bientôt une dizaine d'années, lorsque François Hébel était le directeur général des Rencontres de la Photo. Et ils en parlent encore aujourd'hui. Et donc, c'est aussi inciter et quasiment inviter ces grandes associations. Il y en a qui le font. Les Sud-Amastiber, c'est une longue histoire, par exemple. Mais aujourd'hui, vous avez d'autres festivals qui ne sont pas présents sur l'ensemble du territoire. Et donc, ces grands opérateurs doivent bien comprendre que le territoire arlésien, il est vaste et que c'est partout. Alors, pas chaque année, mais qu'on peut être une année à Raphaël, une année à Mastiber, une année à Salier ou à Gageron, et d'avoir des manifestations, et pour que les Arlésiens adhèrent à ces grandes structures et qu'ils arrêtent de dire, mais finalement, ça, c'est pas pour nous. Et c'est donc une invitation, parce qu'on ne pourra pas les obliger, mais les moyens d'une collectivité, c'est d'inviter, c'est d'inciter, et donc auprès de ces grands opérateurs, d'aller sur l'ensemble du territoire communal. Très bien, on continue. Troisième thème, s'il te plaît, Ludovic Gazan. Allez. Troisième thème. Ferme. L'antépénultième thème, Baptiste Guéry. Un peu de culture ne fait jamais de mal. Tu m'envoies ravi. La jeunesse. La jeunesse. David Grisbe, la jeunesse. On va remettre le et on repart. C'est parti pour la jeunesse. Allez. Comment on la garde dans notre ville, cette jeunesse? Alors, de quelle jeunesse parlons-nous? Parce que la jeunesse, ça commence depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Pour la petite enfance, c'est aussi un secteur de la jeunesse, c'est très important. Nous avons des structures. On a tout rassemblé, donc allez-y. Vous pouvez parler de la petite enfance jusqu'à... Oui, voilà. De ce point de vue, c'est la jeunesse. Et donc, on a toute une politique qui a déjà été conduite
ces dernières années par Madame Minerva Beau des Peyro. Mais aujourd'hui, on a des structures qui sont vieillissantes. Quand on se balade, quand on se rend plus exactement à l'halte-garderie de Bariol, l'halte-garderie, on s'aperçoit que les conditions d'accueil aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes. Donc il y a à requalifier les équipements destinés à la petite enfance, et c'est un devoir aussi. C'est toujours dans le domaine de la petite enfance, c'est développer d'autres modes de garde, essayer de proposer un chèque service qui compense. Pourquoi les familles choisissent structure collective? C'est qu'une assistante maternelle agréée est un peu plus chère que la structure d'accueil collectif, et de réfléchir à des moyens de compensation, parce qu'on ne pourra pas créer beaucoup d'autres structures d'accueil. Ça a un coût de fonctionnement extrêmement fort. Par contre, on a des assistantes maternelles agréées qui ne trouvent pas toujours d'enfants à garder et qui ont les compétences pour le faire. Et donc, c'est souvent une affaire de coût. Donc là aussi, on a un effort pour faciliter pour les parents la garde de leurs enfants. Ensuite, on a, je l'ai dit tout à l'heure, une préoccupation qui est liée à la réussite éducative. Et donc le projet éducatif municipal est indispensable. Je pense que c'est d'ailleurs, c'est une de nos priorités, parce que c'est un devoir aujourd'hui de se préoccuper de cette situation qui, moi, je le dis avec les mots que j'emploie, qui sont des mots un peu forts, me terrorise un peu. Comment on peut avoir sur notre territoire un élève sur quatre qui ne sort sans aucune qualification ? Ce constat-là nous oblige. Et donc, c'est de mobiliser tous les outils à notre disposition. Et je l'ai dit tout à l'heure, faire vraiment de la médiathèque le pivot de ce projet éducatif, mais de s'appuyer aussi sur ce qui existe déjà, le cahier ressources qui est proposé pour les enseignants sur notre territoire, de travailler sur le temps aussi d'accueil au sein des écoles. On sait bien qu'il y a des parents aussi qui sont contraints par les horaires d'ouverture. C'est simple à énoncer derrière un micro, mais travailler sur les heures pour permettre aux parents d'avoir un temps d'accueil, donc tout le temps périscolaire. Comment on valorise le temps de la cantine à travers l'alimentation, c'est un temps important, et on sait que les conditions aussi dans nos cantines sont parfois difficiles. Je ne parle pas de l'actualité, effectivement, où il y a parfois des mouvements de grève, ça c'est déjà aussi extrêmement délicat, mais quand cela fonctionne, eh bien, il y a des conditions de service qui ne sont pas satisfaisantes pour les enfants. Et puis ensuite, l'autre jeunesse, que les adolescents, il y a aussi donc un manque de lieux. Et par exemple, il suffit d'aller à Fontvieille pour s'apercevoir que le parc de Fontvieille, il n'y a que des familles arlésiennes qui le fréquentent pratiquement. Et donc, si vous voulez voir des Arlésiens, c'est au parc de jeu avec leurs enfants. Et donc, il manque cette structure sur Arles. Il n'y a pas de véritable... Il y a le jardin d'été, mais enfin, qui est surutilisé. Et donc, dans le réaménagement des papeteries étiennes, au bout du cheminement des quais, nous imaginons de pouvoir accueillir, parce que les espaces seront peu valorisables, un véritable parc pour les enfants et pour les préadolescents, donc avec des âges et donc avec des parcours, etc. Donc il y a un lieu, et en plus les familles chemineraient, prendraient un temps de détente avec leurs enfants le long du Rhône et reviendraient. Donc il y a un équipement qui est indispensable de ce point de vue, dont Arles est dépourvu. Et puis il y a la politique aussi en faveur des jeunes adultes. Et là, ce que nous proposons, c'est un contrat d'engagement réciproque. Je vais m'expliquer, ça revient un peu aussi au milieu associatif. Et j'ai entendu un candidat le dire, mais je ne reprends pas son expression, puisque moi je l'ai annoncé il y a déjà plus d'un an quand j'ai fait des conférences de presse. C'est-à-dire qu'un jeune homme ou une jeune fille qui s'engagerait dans un projet associatif aurait le soutien de la collectivité dans son propre projet. Accéder au permis de conduire, par exemple, qui est souvent pour des familles. Donc vous donnez du temps, pas 3 heures, vraiment du temps, sur une saison associative, que ce soit pour une association humanitaire, que ce soit une association sportive. On fait un contrat à 3, l'association qui accueille, donc il faut le volontarisme de l'association, on ne peut pas imposer des gens. Il faut le volontarisme du jeune qui veut s'impliquer. Et nous voyons là aussi un moyen d'apprentissage de la citoyenneté. Quand on s'investit dans le monde associatif, on devient citoyen, on comprend comment on travaille les uns avec les autres, de donner du temps pour les autres, et c'est extrêmement précieux. Donc ce contrat d'engagement réciproque, et en retour, la jeune personne, eh bien, a une aide de la collectivité dans un de ses projets, pas si immédiatement au permis de conduire, je viens de le dire, mais ça peut être aussi un autre projet qui l'aura porté, que nous aurons validé par contrat ensemble. D'accord. Alors on ne va pas faire pour tous tout de suite, c'est des choses qui vont monter en charge progressivement, mais c'est très important. Et puis ensuite, c'est de dédier un lieu, et là c'est une des divergences que j'ai avec notre candidat, c'est que l'école Léon Blum porte bien son école, l'ancienne école Léon Blum, et d'avoir un lieu aussi pivot pour qu'on ait des lieux d'écoute à la fois pour les parents et pour les enfants. Toutes les questions du harcèlement, par exemple, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, du harcèlement... Bon, bref, aujourd'hui, peuvent être traumatisants pour des jeunes gens et pour leurs parents.
Et puis tout simplement la parentalité, on dit être parent, c'est pas forcément facile. Et d'avoir des lieux où quelqu'un de compétent, là aussi, puisse vous accueillir, vous entendre dans vos préoccupations et d'en faire vraiment le pôle Léon Blum, un pôle dédié à l'éducation, avec des personnes compétentes pour accompagner bien ces jeunes gens dans des problèmes de santé, dans des problèmes, comme on l'a dit, dont ils peuvent souffrir à la fois chez eux ou à la fois dans le temps scolaire. Très bien, on continue. Ludovic, quatrième thème, tiré au sort. Allez. On est bien sur, les, sur le temps. Nos quartiers. Nos quartiers. David Grisbe, nos quartiers. Ben là, j'ai l'avantage, c'est que... Non, vous comme juger sur les actes. Vous les connaissez. Alors, je vous en connaissez un en particulier. Je peux être là, juger sur les actes. Je crois que le quartier de Griffeuil hier, le quartier de Griffeuil aujourd'hui n'est pas tout à fait le même. Et donc, je me contente pas d'incantations. Là, je demande à chacun d'observer ce qui a été fait sur un quartier de Griffeuil où un bailleur social s'est impliqué fortement dans le quartier, à la fois pour d'abord améliorer les conditions de vie de ses habitants, c'est le premier devoir. Et on voit qu'il y a des bailleurs sociaux qui relèvent du département et donc des conseillers départementaux de notre territoire. Vous êtes président pour rappeler aux oui, gens, voilà, pour, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, vous avez un outil qui ressemble à la Samba, mais pour le département, qui est très habitant, l'ancienne OPAC. Effectivement. Et aujourd'hui, les conditions de vie au Trébon ou à Bariol sont indignes. Et ce combat aurait dû être mené, et mené fortement. Je crois qu'il ne l'a pas été mené aujourd'hui à la hauteur. C'est-à-dire que d'abord, le premier devoir que nous avons, c'est d'offrir des conditions de vie à nos concitoyens qui soient correctes. Ça passe par le logement. C'est d'abord dans sa cellule de vie intime que les conditions de vie doivent être correctes. Puis après, ça passe par l'extérieur, c'est-à-dire ce qui est fond des bailleurs. Et je salue Famille et Provence au Gradin, qui a réalisé une très très belle réhabilitation. C'est le cas d'Erilia au Peuplier. Et vraiment, je regrette que le troisième bailleur de Bayeul n'ait pas accompagné ce mouvement. C'est vraiment... Je le dis, scandaleux. C'est aussi ensuite, une fois qu'on a traité les espaces extérieurs, et donc avoir des conteneurs enterrés, comme on l'a fait à Griffeuil, à condition que derrière, la communauté d'agglo ait les moyens nécessaires pour mieux le gérer. Mais c'est aussi d'accompagner le tissu associatif des quartiers. Et nous, bailleurs sociaux, nous avons accompagné des initiatives. J'ai parlé du collectif Lisba tout à l'heure, mais c'est une des initiatives à la fois de faire venir des gens de l'extérieur. C'était le cas, une activité de l'extérieur. Nous accueillons aussi les passeurs de rêve, Chris Oisard, sur les ateliers plastiques. Nous avons accompagné Voix Off pour que les enfants de Griffeuil comprennent ce que c'est qu'être capitale internationale de la photographie. C'est bien beau. Ça veut dire quoi un appareil photo? C'est quoi l'image? Et donc, avec la GACO, la galerie à ciel ouvert, que vous connaissez bien, nous avons effectivement permis, et grâce à Voix Off, de faire connaître l'outil photographique, l'image, à travers des stages. Nous avons accompagné des choses plus prosaïques, mais un nouveau café associatif, enfin pas nouveau, puisqu'il est là depuis longtemps, le café associatif de Griffeuil. D'ailleurs, ma fierté, c'est que la présidente du café associatif du CIQ fait partie de ma liste. D'accord. Qui prouve que si j'avais vraiment mal travaillé, elle s'enfuirait en courant quand elle me voit, ce qui n'est pas le cas, puisqu'elle décide vraiment de prolonger s'engager. Et de s'engager à mes côtés. J'en suis particulièrement fier. Je la remercie de cet engagement. Mais nous avons aussi accompagné le club de boxe, le foot. C'est le rôle du bailleur. C'est-à-dire, bien sûr, le logement, c'est la priorité absolue. Mais d'ailleurs, nous continuerons à Griffeuil, puisque après avoir réhabilité le logement il y a quelques temps, l'autre projet que nous avons, c'est la rénovation thermique. On parle là un peu d'écologie. Et donc, rénover et isoler les façades, ça requalifiera à la fois l'esthétique, ce qu'a fait d'ailleurs Famille Provence, je le redis encore une fois, mais c'est aussi permettre des économies d'énergie et autrement dit, des dépenses à nos locataires avec des charges qui sont amoindries. Donc, c'est le rôle déjà que nous avons fait. Donc, je ne suis pas dans « je vais faire », je fais. Et cela, bien évidemment, en tant que maire et président de la communauté d'agglomération, nous le ferons avec d'autres partenaires, puisque la compétence habitat est une compétence forte aussi de la communauté d'agglomération, pour qu'enfin au Trébon et enfin à Bariol, et en particulier sur les patrimoines de 13 habitats, parce que je le répète, c'est tout à fait scandaleux de laisser nos concitoyens dans cette situation, dans des conditions de vie qui sont inadmissibles. Il faut agir, et donc nous ferons la même démarche avec que nous avons essayé d'expérimenter justement à l'échelle de nos trois grands quartiers d'habitat populaire. Très bien, allez, on continue. Ludovic. On n'a pas de réaction, Ludovic? Comment? On n'a pas de réaction sur le Facebook Live? Non. Sur les quartiers, non? Sur les quartiers? Si. Vas-y, tu veux poser une question? Une question, tiens, parce que moi, ça s'affiche avant sur les quartiers. Il nous reste une minute. Allez. Fatima qui nous dit, après avoir déclaré publiquement soutenir notre association Griffeuil, en tant que président de la SAMPA, on nous réclame 10 000 euros de loyer. Ah oui. En nous forçant à fermer nos portes dans le quartier de Griffeuil. Voilà. Vrai, faux? Alors, c'est un peu injuste d'avoir ce procès-là parce que. C'est pas un procès, c'est une question. La question publiquement. Non, mais je réponds parce que c'est une vraie question et je voudrais pas que les propos de Fatima
C'est pour ça, il vaut mieux répondre Benhamer, directement. Soit traduit. Et, et donc, je vais m'expliquer. L'argent que la société des commises du Pays d'Arles n'est pas le sien, c'est l'argent de nos locataires. Et lorsqu'on passe un contrat de location, et nous avons accepté des conditions de location extrêmement préférentielles pour accueillir l'atelier de beauté solidaire, qui est effectivement une très très belle initiative que j'ai soutenue dès le départ, parce que j'ai facilité son installation sur le quartier des Rifeuils. Mais je trouverais injuste, alors que tout le monde est venu à côté d'elle faire la photographie, conseiller départemental, conseiller régional, sous-préfet, etc., etc., que seuls les locataires de la Sampa supportent la charge des difficultés qu'elle rencontre dans son fonctionnement. Pourquoi les habitants de Griffeuils seraient les seuls finalement, puisque la Sampa, c'est les locataires de Griffeuils, mais aussi l'ensemble des locataires de notre patrimoine, auraient à supporter le fait qu'elle n'arrive pas à avoir un équilibre économique qui lui permette d'assurer son fonctionnement. Et donc, je suis un peu surpris parce que je suis vraiment un des premiers qui a accompagné l'installation de l'atelier Beauté Solidaire. C'est une belle initiative, comme était d'ailleurs une belle initiative Solidarles. Et qui, on voit que l'économie sociale et solidaire, de ce point de vue, on en parle beaucoup, mais c'est difficile à faire marcher puisque Solidarles aussi, c'est fini un peu en eau de boudin, avec là aussi des dettes élevées, et notamment des dettes vis-à-vis de la Sampa, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, alors qu'elle n'a pas de soutien ni du département, un peu de la politique de la ville au titre de la CCM, ni de la région, que finalement, le seul qui soit responsable de ces difficultés, ce soit nous qui avons été les premiers à l'accueillir. Je trouve le procès un peu injuste, et je m'en expliquerai avec elle très tranquillement, parce que c'est une personne qui s'investit pour le quartier, je ressouligne son investissement, c'est une personne qui a fait beaucoup, mais il va falloir, je ne comprendrai pas que la charge repose uniquement sur nous, alors que tout le monde est venu dire que son idée était formidable. Très bien. C'était bien on de continue. Souligner, de préciser justement. Non, mais c'est important de répondre parce que la question serait restée en suspens. Oui. Et que nous sommes là pour donner la parole. On continue. C'est le dernier thème. C'est le dernier, c'est le cinquième. Allez. Après, on abordera les autres. Et on est bien Paris pour le centre-ville. L'économie. Eh ben. L'économie, David Grisbon. On en a un petit peu parlé tout à l'heure déjà, mais c'est un point important. On en a un petit peu parlé, mais pour être plus précis. Allez. Un, conforter l'existant. Je l'ai dit, requalification de la zone nord, mais aussi requalification de Fourchon. Nous avons requalifié la zone du Roubien à Tarascon avec la comité d'agglomération. Il est bien temps maintenant que les zones d'activité arlésienne soient prises en charge également et que le même niveau d'investissement se retrouve pour la signalétique, pour les conditions de travail, les conditions de remembrement aussi sur la zone pour dégager du foncier disponible. Et d'ailleurs, nous portons un projet de lotissement à caractère artisanal qui est au niveau du fer à cheval en zone nord et nous le mènerons à bien. Ensuite, il y a, je l'ai dit, l'agriculture. Et sur l'agriculture, c'est très important. Et c'est très important parce que les agriculteurs ont un rôle essentiel dans le domaine de la gestion de l'eau. Sans nos agriculteurs, tout ce réseau de canaux, qu'ils soient d'arrosage ou d'écoulement, qui sont vitaux, y compris pour notre sécurité, parce que s'il y avait une nouvelle inondation, c'est par ces canaux que l'eau s'évacue. Okay. Aujourd'hui, les agriculteurs n'ont plus les ressources suffisantes pour entretenir tout ce réseau. Donc la puissance publique va devoir se mobiliser, c'est une grande question, c'est facile à dire, mais on a des centaines et des centaines de canaux, et aujourd'hui les agriculteurs ont du mal, je pense en particulier au canal de Haute-Croix, où aujourd'hui il y a une intervention d'urgence de 6,5 millions d'euros à trouver pour réparer les aqueducs que vous connaissez entre Saint-Martin-de-Croix et Moulesse. Et bien là, tout de suite en arrivant, il va falloir se préoccuper de ça pour leur donner les moyens, on ne sera pas les seuls, je sais que le département aide, la comité d'agglo aide, etc., mais le monde agricole c'est très important, et puis je l'ai dit, le monde agricole c'est aussi des sources d'emploi. Il y a ensuite ce qui nous caractérise, un tiers de notre économie, c'est le tourisme. Et donc là aussi, c'est de vraiment essayer d'étendre la saison. C'est bien l'enjeu. On peut toujours accueillir des visiteurs supplémentaires en juillet et août, mais le vrai enjeu, c'est tous les hôteliers et les restaurateurs qui transpirent au niveau de la trésorerie novembre, décembre, janvier, février. Et ils finissent avec de grosses gouttes parce que leur trésorerie n'est pas forcément. Et c'est là aussi l'atout de la Fondation Luma, c'est qu'elle va nous proposer des offres culturelles qui vont permettre d'étendre la saison. Et du point de tourisme, ce que nous avons perdu de mon point de vue ces dernières années, c'est la marque Camargue. Bientôt, Nîmes va être la capitale de la Camargue, ce qui me stupéfait. Parce que Nîmes, je comprends que ce sont les costières, mais oui, mais en termes de communication, vous regardez les émissions de télévision et vous dites ce soir, on vous parle de la Camargue, vous faites un plaisir de vous asseoir dans votre canapé, de regarder la télé, puis on vous parle d'Aigues Mortes, de Lunel, c'est qui la Camargue. Partager avec les Saintes, mais encore. Mais voilà, mais les Saintes sont dans le Delta, mais on a à reprendre la marque Camargue. Et l'avantage de la marque Camargue, ce tourisme de nature, finalement, c'est que c'est un tourisme divers. Si on veut découvrir la Camargue, c'est pas quand il fait 40 degrés où il y a deux gabiens et trois flamands.
l'ornithologie en Camargue, c'est bien dans les mois d'hiver que nous parlons. Et ce tourisme de nature n'est pas suffisamment mis en avant, et que les gens qui viennent à Arles n'ont pas le sentiment d'être au port de la Camargue et au port des Alpilles, qui est un autre espace naturel tout à fait remarquable. Et les gens qui viennent en Camargue n'ont pas le sentiment d'être aux portes d'Arles. Il faut vraiment qu'on ait une dynamique de ce point de vue. Et il s'est passé quelque chose en Camargue récemment, c'est l'évolution de la propriété, où désormais nous avons une majorité de propriétés publiques grâce au conservatoire du littoral, avec des espaces aussi prestigieux que les marais du Viguera, que le domaine de la Palissade, que les étangs et marais des Salins, que les masses de la Belugue, bon bref, et j'en passe, c'est des meilleurs, où on peut organiser un vrai circuit de découverte. C'est au courant de tout ça, le marais du Viguera serait à vendre ? Non, pas du tout. Le marais du Viguera a, de par la raréfaction des crédits publics, une contraction des moyens à sa disposition. D'accord. Et donc, c'est pas encore péril à en demeure, mais il faut se préoccuper. Et le Marais des Viguera négocie avec un groupe de l'économie sociale et solidaire, justement, d'accord, qui est un grand groupe national, qui est le groupe SOS, pour savoir s'il peut y avoir un partenariat utile pour justement donner une nouvelle dynamique et un vrai projet de développement territorial à partir de Massiber. Parce que là, d'accord, l'enjeu, c'est vraiment de faire le lien avec le village. Il y a un peu de monde qui se côtoie. Donc le tourisme et le est important. Et puis, il y a également ce dont on a parlé, ce qui fait la notoriété d'Arles, à condition d'avoir une démarche, je le répète, proactive, d'aller à la rencontre des investisseurs, là où ils sont, dans les grandes métropoles aujourd'hui, à Paris ou ailleurs, sur tout ce qui est l'économie créative, et de vraiment, à partir des outils de formation que nous avons, je répète, l'École nationale supérieure de la photographie, et le MOPA, mais aussi l'IUT, et bien d'autres compétences encore, l'IUP sur la gestion des événements culturels, pour leur dire, voilà, vous avez un vivier de compétences en formation, venez vous installer sur Arles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une dynamique, et je passe ici, là aussi, tu nous as pas vu production, qui est arlésien, qui est un studio production, peut puiser dans un vivier qui est local, et c'est pour ça que ça légitime. Alors on sait tous qu'il y a un arlésien dedans et que ça a facilité, mais à condition là aussi qu'on leur offre des possibilités d'installation. Et là, il y a un enjeu immédiat, je m'excuse de prendre encore un peu de temps, mais ce sont les 14 000 m² qui risquent de tomber à l'eau, et Jean-Paul Lebon à bon escient, au sein des papeteurs Étienne. Je m'explique. Quand le groupe International Paper est parti, ils ont démoli 14 000 m² de surface planchée. D'accord. Et le droit à bâtir, et c'est très important, donne un temps d'une dizaine d'années, alors que ces espaces sont situés en zone RH du plan de prévention des risques d'inondation, qui sont normalement inconstructibles, on a le droit de retrouver 14 000 m². Et je regrette beaucoup que la communauté d'agglomération ne m'ait pas suivi dans le lancement d'une maîtrise d'œuvre pour geler ces droits à bâtir et justement avoir un lieu qu'on puisse présenter à l'extérieur en disant « mais venez chez nous, regardez dans quelles conditions vous allez travailler ». Et c'est là où la société publique locale dont je parlais tout à l'heure, d'accord, pour porter des stratégies d'aménagement, prend tout son sens. C'est-à-dire toujours pareil. Quel outil on utilise ? C'est bien beau de dire « je vais attirer des entreprises », mais quel outil utiliser ? Donc c'est d'aller dans des salons où ils sont pour dire à ces investisseurs « regardez, à côté, vous aurez les rencontres de la photographie, vous aurez le groupe F qui n'est pas très loin à Arles, par rapport, donc vous aurez Ilotopie, vous aurez la compagnie Gratte-Ciel, dont on parle peu, ceux qui nous font toutes les animations de Drôle Noël, et bien évidemment, qui peuvent évoluer largement sur d'autres propositions. Bon bref, on a tout un tas de compétences déjà présentes sur Arles. À nous, d'attirer d'autres investisseurs et d'aller à la chasse aux investissements, parce que je le répète, la création d'activités générant de nouvelles richesses est une priorité absolue sur ce territoire. Allez, très bien, on va continuer. Il nous reste 10 thèmes à aborder rapidement pour qu'on puisse passer aux questions du live de Ludovic. Il nous reste 20 minutes en tout. On prendra peut-être le pas de finir en musique et non pas de couper, comme ça vous laissera plus le temps de répondre. Rapidement, chômage, emploi. On en a beaucoup parlé, c'est vrai, vous avez rassemblé, donc... Non mais je comprends que ça soit une vraie préoccupation. C'est une vraie préoccupation. Alors, mais je vais l'aborder sur un autre volet, c'est celui de la formation. Parce que, Une minute. Moi je pense qu'il y a vraiment de gros enjeux de formation et d'adapter les formations proposées sur le territoire aux vrais besoins des entreprises. Quand on discute avec les chefs d'entreprise, parfois ils ont des offres d'emploi qu'ils n'arrivent pas à satisfaire. Et je pense en particulier à les entreprises de chaudronnerie, il en existe encore sur Arles, Berthier-Provence notamment, et ils cherchent des chaudronniers. Nous avons une formation à privat de chaudronnerie. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que, et ce n'est pas être péjoratif vis-à-vis des élèves, mais quand on n'est pas capable d'aller à telle formation, à telle autre, etc., on atterrit en chaudronnerie. Or, la chaudronnerie aujourd'hui, c'est de la projection en 3D, c'est de la trigonométrie, très franchement. C'est extrêmement costaud. Et donc, comment ne pas accompagner vraiment des gens motivés vers ces métiers qui existent et qui ne sont pas pourvus ? Quand on discute avec un ferronnier en zone nord, il dit « mais moi, j'ai 35 ans d'expérience. Former un jeune homme ou une jeune femme, il n'y a pas de souci, mais je veux qu'il soit motivé. » Donc comment on arrive à sélectionner des personnes qui vont lui permettre d'acquérir les compétences ? Donc la formation est un enjeu fondamental, la formation initiale, bien sûr. Et ensuite, il y a la formation tout au long de la vie, qui est un vrai sujet également. C'est-à-dire une fois qu'on évolue de plus en plus d'un emploi à l'autre. Et là aussi, il faut que la puissance publique accompagne les gens qui veulent se reconvertir. Très bien. Culture, David Grisbe. Comment définirez-vous les propositions actuelles de la ville ?
Et que pourrez-vous y apporter, effectivement, si... Alors, elles sont multiples, les propositions culturelles de la ville, parce que ça va de l'association qui crée dans un lieu une animation qui lui est propre autour de la culture. Il y a aussi toute la culture qu'on appelle les traditions, qui est un vocabulaire qui me déplaît, parce que... On a un rôle les traditions, après. Voilà. mais c'est essentiel, parce que c'est le ciment qui nous unit aujourd'hui, nos traditions, comme on dit. Et puis, c'est une vitalité. Et puis, là aussi, quand on est à leur côté le jour de la fête du costume, Dieu que ces costumes sont beaux, ils sont tout à fait magnifiques, ils sont colorés. Mais voilà un temps qui passe un peu inaperçu dans la vie arlésienne. Vous serez pour un rassemblement culture et tradition, peut-être ? Ah ben, pour moi, je ne fais pas de divergence entre culture et tradition. Notre culture, elle est multiple. Et donc, il faut que chacun s'y reconnaisse. Et donc, c'est le débat autour de la culture. Pour qui ? Pourquoi ? Pourquoi ? Effectivement. Donc, pour qui ? Pour tous. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'on a une offre dite un peu élitiste parfois. Et donc, il faut compenser. Et c'est là tout l'intérêt, par exemple, du projet Casinotier. Ça peut paraître absurde parce qu'on s'associe culture et casino. On se dit, mais il a fondu un plomb, le gris, mais c'est pas possible. Or, c'est une nouvelle salle de spectacle. Quand Gilbert Montagnier vient en Pays d'Arles, on aime ou on n'aime pas Gilbert Montagnier, mais attendez, il remplit le centre culturel de Saint-Martin-de-Crau. Pourquoi les Arlésiennes et les Arlésiens seraient obligés d'avoir... Et donc, ce que nous offre le complexe Casinotier, c'est aussi cette salle de spectacle de 800 places. Et donc, c'est d'essayer d'avoir une offre qui soit la plus élargie possible. Très bien. Donc, justement, tradition, la place de nos traditions. Quelle place pour nos traditions ? Ah ben, c'est une place essentielle. Alors après, tradition, on a l'impression que ça renvoie à quelque chose de passéiste, alors que c'est extrêmement contemporain. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens se reconnaissent dans nos traditions. On le voit bien, le succès des Mireillettes, c'est un succès. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous lie, qu'on soit originaire. D'ailleurs, moi, je m'appelle Grise, mais j'ai dansé, j'ai à Camargo Sauvage, et j'ai défilé pour la Pégoulade. Oui, vous avez dansé. Oui, et donc je sais faire le pas français. Voilà, mais ensuite, il y a nos traditions taurines, qui sont aujourd'hui essentielles et qui sont malheureusement menacées dans leur existence. Et donc, c'est l'essence même de ce que nous sommes. Et permettre à chacun, justement, de se reconnaître dans nos traditions, c'est le ciment qui lie la communauté arlésienne ensemble. Alors après, on n'oblige personne à défiler s'il n'a pas envie de s'habiller, personne n'a obligé de s'habiller s'il n'a pas envie de s'habiller, mais vraiment quelque chose qui nous unit. Donc il faut leur donner une juste place, et je salue tout le travail du comité des fêtes, de Festival, qui, justement, souhaite moderniser leurs différentes manifestations et vraiment avoir des partenariats entre acteurs culturels. Je sais que cet été, il y aura un partenariat fort entre Festival et les Rencontres de la Photographie, et c'est très bien, et je le salue, tous celles et tous ceux qui sont à l'origine de cette initiative. Et on les embrasse parce que nous travaillons aussi avec eux, avec Radio RPA. Ça nous arrive. Centre-ville, trois propositions pour le centre-ville avec David Grisbe. Alors, d'abord, un, vraiment concentrer le dispositif Cœur de Ville, qui est un dispositif national sur le centre-ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville a utilisé ses crédits pour faire le pôle de service public. C'est discutable. Ça, c'est déjà un premier point. Deux, c'est revoir le stationnement. Rendre la gratuité entre midi et deux, et rendre la gratuité en saison du 1er octobre au 31 mars, du samedi 0h00, si j'ose dire, au dimanche 24h, c'est-à-dire tout le week-end, hors saison. Et puis, c'est d'avoir aussi des outils d'intervention dans le centre-ville. La communauté d'agglo n'a pas renouvelé l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui avait permis, depuis les milieux des années 80 jusqu'à aujourd'hui, de requalifier 1000 logements. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a la location saisonnière, Airbnb, etc. Mais quelle intervention publique nous avons pour acheter des biens et pour les remettre à disposition pour faire du logement pour tous ? De permettre à des familles de s'installer en centre-ville dans des conditions accessibles. Il n'y a que l'intervention publique qui peut le permettre. Et on revient aux outils dont je parlais tout à l'heure. Société d'économie mixte du Pays d'Arles, partenariat groupes et caisses et dépôts, tout ça c'est du concret. Ensuite, mettre aussi en place un dispositif de périmètre de restauration immobilière. Mmh. C'est un dispositif qui peut paraître technique, mais obligé dans une période longue, eh bien, les propriétaires à revisiter leurs façades, les requalifier sur certains points. Alors on ne fait pas partout tout le temps, mais on décide que pendant 10 ans, l'enjeu il est là. Je pense particulier à l'avenue Gambetta, par exemple. L'avenue Gambetta, alors il faudrait essayer de dégager la circulation, c'est un autre dossier, mais aujourd'hui l'avenue Gambetta est un peu tristounette. Elle mériterait par simple requalification des façades de retrouver un lustre qui peut être le sien. Justement, le patrimoine, que pensez-vous de la politique patrimoniale qui parfois incite certains propriétaires à devoir avoir des changements Alors cette politique, c'est pas nous qui la fixons, c'est l'État qui la fixe. D'accord. Parce que c'est le plan de sauvegarde et de mise en valeur, et vous savez que celui qui a la main, même si je suis aujourd'hui élu à l'urbanisme, c'est l'architecte des bâtiments de France. Son avis est formel. Il est formel. Si l'avis est favorable,
vous pouvez accepter le dossier d'autorisation d'urbanisme. Si son avis est défavorable, vous devez le refuser. C'est important choix. De le dire parce que beaucoup pensent que... Oui, et non, c'est vous devez. Et aujourd'hui, donc, l'État a renouvelé le plan de sauvegarde mis en valeur il y a maintenant 2 ans. Eh bien, nous nous appuyons, et c'est le fruit du partenariat, ils ne l'ont pas fait tout seuls, ils l'ont fait avec la direction du patrimoine de la ville d'Arles. Après, en termes d'enjeux patrimoniaux, il y a de grands sites qui aujourd'hui sont méconnus, je pense aux fouilles de la basilique paléo-chrétienne. Voilà un lieu situé à Autur qui aujourd'hui est fermé et on pourrait en faire un espace en mettant en valeur ces fouilles-là, un espace aussi non seulement pour nos visiteurs qui est sur le quartier de Autur, mais surtout pour les habitants de ce quartier qui n'ont pas d'espace de respiration à proximité. Remettre en valeur ces fouilles est un enjeu patrimonial facile à énoncer également, il faudra trouver les moyens de le faire. Et on a d'autres patrimoines dits 20e, moi je ne suis pas pour la grande halle Lustucru parce que le coût de remontage pour n'en servir que du remontage, c'est 4 millions d'euros. 4 millions d'euros pour une structure où après, il faut encore construire tout le reste. Je pense que nous avons autre chose à faire. Par contre, en termes de patrimoine, nous avons par exemple la cité Vago, la cité du relogement aux Aliscans. Voilà un architecte, Vago, qui est bien connu pour celles et ceux qui s'intéressent à l'urbanisme de la ville d'Arles et qui aujourd'hui tombe en ruine. Et là, il ne faut pas 4 millions d'euros. 800 000 euros permettraient de retrouver ce patrimoine et de permettre surtout à des familles de s'y installer. Parce que pour moi, un patrimoine, il a un « à venir ». Pas un avenir, mais un à venir. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de destination, est-ce que c'est un patrimoine ? Quand il y a une autre destination, quelle qu'elle soit, que ce soit une destination ludique, que ce soit une destination pour du logement, voilà, ça, c'est un véritable patrimoine. Mais garder du patrimoine, parce que soi-disant, c'est machin qui l'a fabriqué, dont on n'est pas sûr, mais qu'il n'y a pas de destination derrière, pour moi, ce n'est pas un véritable patrimoine. Écologie et évidemment le contournement, David. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, sur le contournement autoroutier, là aussi, j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice, puisque le 2 juillet 2016, j'ai essayé de rassembler les représentants des habitants et les habitants eux-mêmes pour rappeler à l'État tout l'enjeu de ce dossier. Et à l'époque, en 2016, il était un peu complètement enterré. Depuis, et je salue, et c'est le fruit du travail de la députée, que je salue de ce point de vue, c'est que des études ont été relancées. Ce contournement, il est indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est 80 000 véhicules qui traversent notre cœur de ville, patrimoine mondial de l'humanité, qui passent sur le cirque romain. C'est quand même fou que voilà, 80 000 véhicules. Et aujourd'hui, nous avons 1 500 élèves qui vivent à moins de 500 mètres dans les écoles de ce trafic automobile. La pollution atmosphérique, ce n'est pas une légende, ça existe. Et si aujourd'hui, il y a des enfants qui sont asthmatiques, il faut s'interroger pourquoi. Et je sais que les premiers niveaux de contrôle de la pollution montrent que c'est extrêmement élevé. Donc le contournement autoroutier, il est indispensable. Et je remercie l'État d'avoir relancé les études. Et nous accompagnerons cette volonté. Par contre, ce n'est pas le seul dossier. Parce que le contournement autoroutier pour le contournement autoroutier, ça ne suffira pas. Il y a aussi la requalification du boulevard urbain. Et donc là, comment nous allons faire ? Là aussi, quel outil utiliser ? Parce que la requalification, elle a été évaluée en 2013 à 90 millions d'euros, grosso modo, hors de portée de la puissance publique locale. Il faut que, dans le cadre du contrat de projet État-Région, qui va rentrer en cours de négociation, le maire d'Arles, le président de l'agglo, qui sera normalement le même, pèse énormément auprès de la région et auprès de l'État pour que ces deux dossiers n'en fassent plus qu'un et qu'il y ait le contournement autoroutier et en même temps la requalification du boulevard urbain et que les investissements soient réunis par tous. Parce que si on n'a que le contournement, on n'arrivera pas à requalifier. Or, si on garde une 2x2 voies au milieu de la ville, et on n'arrivera pas à faire la couture entre le grand quartier de Bariolles, plein du Bourg-Semestre, et le centre-ville. Et c'est tout l'enjeu de faire disparaître ce trafic, c'est de ressouder la ville et d'avoir là un nouveau quartier depuis Fourchon au pied du canal d'Arlabouc qui renaisse et qui permette de faire le lien entre ces deux grands espaces. Alors après, effectivement, il faudra du temps, parce que ce n'est pas demain matin que les choses se font, mais il ne faut pas renoncer. Hier, j'ai entendu un candidat qui était un peu dans le renoncement et vraiment, de ce point de vue, nous avons une grosse divergence. Très bien. On continue avec, allez, 3 mots sur la ville du futur. En 3 mots, la ville du futur. La ville du futur, ben, je vais dire que déjà, c'est une autre relation avec nos concitoyens. C'est-à-dire qu'il faut que nous utilisions des outils. On voit bien, on est dans une radio, vous avez des moyens de communication. Et donc les outils informatiques, c'est une forme aussi, les nouvelles technologies permettent justement d'associer un peu plus les citoyens aussi. Donc à travers des applications, leur permettre de donner leur avis, leur opinion, et donc d'utiliser ces outils contemporains, c'est un premier point. Et puis de créer aussi des lieux de concertation plus permanents, à l'image du Conseil économique et social régional, d'avoir un conseil citoyens qui réunissent les représentants des habitants, le monde socio-économique, mais aussi des habitants, lorsqu'ils doivent être tirés au sort ou pas, on se posera la question à ce moment-là, mais vraiment un lieu qui soit le lieu du débat démocratique permanent. Et donc c'est une autre relation. Après,
Allez-y, non, c'est qu'il reste 3 minutes, il reste 8 minutes, il reste 2 thèmes. Alors, on va passer aux autres thèmes. Voilà, il reste sécurité, propreté, santé. Vous avez 3 minutes. Il te restera 5 minutes pour les questions. Oui. Hein, David, je sais que ça vous tient à cœur, la sécurité, la propreté, la santé. Alors, on va... Pour faire court. On va commencer par la propreté. Chacun connaît maintenant notre proposition. Nous voulons remettre des services publics dans les différents secteurs de la ville, donc remettre des agents municipaux pour l'entretien quotidien, donc des équipes territoriales d'intervention, et de faire encadrer ces équipes territoriales par un personnage que nous voulons remettre au goût du jour, qui est le garde champêtre. Alors, on ne va pas appeler ça un garde champêtre, oui, mais c'est... parce que ce n'est pas avec un tambour ou une trompette, mais d'avoir... permettre à nos concitoyens d'avoir un relais permanent par D'accord. rapport à leurs préoccupations liées à la propreté. Le matelas qui a été sorti au mauvais moment, qu'il ne reste pas 3 semaines au même endroit. Mais aussi toutes les incivilités du stationnement, etc. Donc d'avoir quelqu'un qui soit au contact quotidien de nos concitoyens. Mais pour la propreté, il y a aussi toute la gestion des déchets qui est catastrophique de part de la communauté d'agglomération. Bien sûr, créer de nouvelles déchetteries, à la fois en zone nord, des déchetteries pour les professionnels, mais surtout, là, s'interroger sur les 20% d'absentéisme qui tous les matins sont au service et de voir pourquoi ces D'accord. agents sont absents. Donc il y a une vraie remise au travail de ce point de vue. Sur la sécurité, il nous faut une véritable stratégie territoriale de sécurité, de tranquillité publique et de prévention de la délinquance et de radicalisation. C'est un outil qui est déterminé par la loi. Et aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous réunissez autour des services de la justice et du procureur en particulier, autour des services de l'État, police nationale, gendarmerie nationale, autour de vos propres services. Et je renforcerai aussi la police municipale, mais dans des raisons accessibles. C'est-à-dire que moi, je la porterai à 25 et non pas à 50, parce que si je fais ça, je ne ferai plus les médiathèques, je ne ferai plus les agents dont j'ai parlé en termes de proximité pour la propreté. Et quand j'ai interrogé partout pendant ma réunion publique, je vous l'ai dit, j'ai pris la démarche il y a longtemps, j'ai toujours posé la question. Si on vous propose un choix entre un policier municipal ou un balayeur, vous choisissez quoi ? Quasi systématiquement m'a répondu le balayeur. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est l'amélioration de leur cadre de vie, prioritairement. Et que même si certains cherchent à nous dire que la ville est insécure, oui, il y a des choses à faire en termes de sécurité. Oui, il y a des soucis de délit, de délinquance sur notre territoire. Mais c'est le rôle aussi de la police nationale, se battre d'abord pour que les effectifs du commissariat soient adaptés à la ville d'Ars, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, loin de là. On a perdu une BAC de nuit, on a perdu une brigade canine. Et donc, il n'y a pas de raison que l'État ne redonne pas les moyens d'une ville qui est une ville touristique, qui est une ville qui accueille du monde. Et puis surtout, où vivent 54 000 Arlésiens qui ont besoin de se sentir en sécurité. Mais la lutte contre les délits, les vrais, les crimes, c'est l'affaire de l'État. Donc nous accompagnerons et d'avoir une stratégie partagée qui fait quoi. Ensuite, d'avoir aussi un service d'écoute sur la tranquillité publique. Des gens qui, voilà, c'est pas de les surveiller, c'est qu'ils puissent nous dire ce qui se passe, d'avoir des cellules de veille dans les quartiers avec les professionnels, de voir qu'est-ce qui se passe, quelle est la température, comment ça évolue, où sont les problèmes. Et puis de voir avec le procureur quand des points de drogue sont connus. La cavalerie aujourd'hui c'est notoire, bon, pourquoi ça perdure, qu'est-ce qu'on y fait, et là aussi c'est pas des policiers municipaux qui vont résoudre ce problématique là donc d'avoir les moyens d'investigation c'est les forces de l'État, et puis d'avoir un service de médiation, parce que moi je crois non pas à la surveillance mais à la présence humaine dans ce domaine là D'accord, merci David Gris pour ces 15 thèmes abordés en un temps un peu long, mais c'est pas grave, de toute façon, on va rester sur l'heure et demie attribuée à chacun. Ludovic Gazan, oui. On va finir avec toi, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on va finir en beauté. Oh, c'est magnifique. Ouais, c'est... Je conviens. Les questions... Je quitte la chemise ? Non, pas encore. Je tiens quand même à noter à toutes les personnes qui nous ont suivi sur le live que David Gris a répondu à beaucoup, beaucoup de questions en direct. Oui. J'en ai sélectionné 2 ou 3. Je ne pouvais pas passer à côté de la question granola, la question spéculos. David Gris est vraiment la personne à qui il faut la poser. David Gris, le collectif Saligné nous demande ce pont à Salins. Ils aimeraient avoir votre avis. Tout le monde vous attend de pied ferme. Alors moi, je connais la situation. J'ai vécu 25 ans à Salins et je sais ce que c'est que prendre le bac, de le rater quand vous revenez du côté Marseille, de devoir faire le tour par là. Tout ça, je l'ai vécu. Pour autant, quand on parle du pont, je ne sais pas de quoi on parle. C'est-à-dire que moi, avant d'avoir un jugement précis, je veux savoir est-ce que c'est un pont à 2 voies, un pont à 4 voies, il part de où, il arrive où, est-ce qu'il est au niveau du Saint-Buc, est-ce qu'il est au Salins de Giraud. Et ce que je regrette, c'est que chaque fois, et souvent en période électorale, on allume ce dossier et on fait monter la température. Ce qu'il faut, c'est d'avoir un vrai projet. Avant de pouvoir se prononcer en responsabilité, c'est quel est le projet ? Il se situe où, quand, comment ? Et d'ici là, parce que moi, je ne suis pas opposé au pont pour le pont, je ne sais pas quel est le projet, quelle va être son conséquence. C'est qu'un équipement, quelle est la stratégie d'aménagement en Camargue derrière ? Est-ce que cet équipement va engraver ou améliorer les choses ? Mais les Saliniers doivent d'abord avoir un service, parce qu'avant que le pont soit réalisé, même si certains disent aller très très vite, il faut d'abord avoir l'autorisation de l'État.
c'est pas gagné. C'est pas que le conseil départemental qui va décider. À mon avis, le ministère va se prononcer vu... voilà. Donc, c'est d'abord que les moyens du syndicat mixte des traversiers du Delta du Rhône soient conservés. Or, aujourd'hui, la région se désengage à hauteur de 1,2 million d'euros. Ça veut dire que demain, les saliniers vont, pont ou pas pont, et ont déjà une altération du service. Donc le premier combat que nous avons à mener, c'est que le service des traversées du Delta du Rhône soit un service de qualité qui continue à permettre aux saliniers d'aller d'un côté à l'autre de la rive dans les meilleures conditions. Si ça, c'est garanti, ce que je souhaite ensuite, c'est qu'on ait un vrai projet qui nous soit présenté par la maîtrise d'ouvrage, le conseil départemental, et qu'on ait un vrai débat public qui s'organise. Hein, ça existe, les débats publics qui nous disent ben « voilà ce que nous voulons faire », et de donner le temps et aux saliniers, parce que c'est les principaux concernés, et à d'autres de pouvoir s'exprimer sur l'opportunité ou pas de cette réalisation. Mais aujourd'hui, on agite ça par principe. Je suis pour ou contre. Moi, je n'ai jamais été pour ou contre. Je ne sais pas de quoi nous parlons à cette heure-ci, parce que j'ai besoin de voir une maquette, un plan, un projet, et de savoir combien ça coûte, où il est situé, encore une fois. Et donc, c'est ça qui va être déterminant pour faire un choix. Et donc, aujourd'hui, je suis incapable de me prononcer très clairement. Je ne refuse pas le pont, je ne suis pas ni pour ni contre, mais je veux qu'il y ait un projet. Et donc, c'est le devoir du conseil départemental de venir devant nous et nous dire voilà le projet. Très bien. Ludovic, allez, deux minutes. Deux petites minutes, vite fait. Monsieur Grisib, tous les candidats sont pour la métropole. N'est-elle pas inévitable, du coup? Et est-ce que ça ne peut pas vous faire perdre des électeurs, sachant que vous maîtrisez bien le territoire et que vous êtes à contrario à l'inverse de tout ça? Je suis vraiment résolument contre la désintégration du Pays d'Arles dans la métropole. Nous perdrions, on a parlé d'identité, de tradition, de pouvoir d'agir. La métropole gère même les cimetières. C'est-à-dire que vous voulez une concession dans un cimetière d'Aix-en-Provence, il faut demander l'autorisation de la métropole. Donc aujourd'hui, on a parlé de problématiques de déchets. Les gens ne sont pas contents, mais ils peuvent nous attraper, nous secouer. Demain, ils auront affaire à quelqu'un peut-être de la Ciotat, de Tresse ou je ne sais où, qui sera compétent dans ces domaines. Donc aujourd'hui, moi, je préfère être le petit soleil d'un territoire, d'une galaxie, mais être le soleil plutôt que d'être le troisième satellite d'une grande galaxie. Donc je voudrais vraiment que nous conservions les moyens de nos décisions. Et le seul moyen, c'est de créer une seule communauté d'agglomération à l'échelle du Pays d'Arles, unie, forte, qui nous permette de dialoguer avec nos voisins, qu'ils soient gardois, qu'ils soient vauclusiens ou qu'ils soient marseillais. Allez, une dernière petite question. Ça nous fait un petit peu mousser aussi, c'est pour ça que je la pose pour la fin. Allez, en une phrase, David Grisib, comment pouvez-vous convaincre les indécis et les abstentionnistes qui hésitent à voter pour vous? En tout cas, merci pour cette belle émission de qualité Radio RPA. Voilà, c'est Najet, vous pouvez lui répondre. Ce que j'ai dit, on veut tous planter un clou, mais peu explique comment ils vont s'y prendre. Je crois avoir essayé, en tout cas, ce soir, de vous démontrer que je savais manier les outils. Et j'ai, de ce point de vue, un bilan à mettre devant l'ensemble de nos concitoyens. Regardez ce que j'ai fait en tant que président de la Société d'économistes du Pays d'Arles. Regardez qui a créé la Société publique locale du Pays d'Arles. Quelles sont les actions que nous pouvons demain encore conduire. Et donc, moi, je n'utiliserai pas le paume de ma main pour planter le clou, mais véritablement un marteau. Et je sais manier le marteau pour permettre à la Maison Arles d'être la mieux construite possible. Merci beaucoup, David. Merci à vous, surtout. Merci. Vous pouvez continuer à poser des questions sur ce live, car tous les candidats peuvent continuer à répondre. Vous pourrez continuer à répondre sur le live en dessous, si vous en avez envie. Merci à tous de nous avoir suivis si nombreux pendant ces 10 émissions. C'était long, mais c'était bon, comme on dit. Voilà. Les prochains rendez-vous, on les donne Les même. Prochains rendez-vous, tu peux en parler, Stéphane. Alors, je les ai pas du tout. Les soirées électorales, vous aurez les résultats en direct. On sera en direct des bureaux de vote. On fera l'émission spéciale en direct le 15 mars et le 22 mars. Voilà, donc vous aurez toutes les réactions. On sera en totale immersion. On sera en totale immersion. Entre les deux tours également, il y aura un débat. David Grimm, si vous êtes au second tour. Ah, toujours très volontiers pour les débats. Vous pouvez compter sur moi. Parfait. Oui, c'est bon. Je voulais juste te remercier, Baptiste, pour la préparation de ces émissions. Merci à vous. Baptiste a préparé des émissions. Je me permets m'associer à ces remerciements. Bravo, franchement, pour la qualité de vos émissions. Bravo. Mais merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis très nombreux sur les Facebook Live, sur le www.rpa.fr. Toutes vos questions, vous pouvez continuer à vous abonner à la page Radio RPA. C'est pas interdit sur Facebook. Éventuellement aussi à la téloge de Baptiste et Ludo, c'est un projet que nous avons en commun avec Stéphane aussi. Ça fait partie de notre univers. Merci beaucoup. On se retrouve au second tour. On espère qu'on vous a donné la parole et que vous avez pu entendre tous les candidats. Merci à tous. Bonne fin de journée et à la prochaine fois. Élection municipale 2020 sur Radio RPA. Radio RPA.